On va donner quelques minutes de répit à certains de nos collègues qui visiblement tardent à arriver et nous allons commencer. Chers collègues et normands amis, c'est pas la peine de parler encore avec le public, Monsieur Goddard. Venez prendre place. Bien. Nous déclarons donc, voilà Monsieur Liégeois, c'est donc Liégeois qui payera l'apéro. Bien, puisqu'il est le dernier. Ah, oh, pas du tout, c'est Madame. Arrivez à l'heure, s'il vous plaît, au conseil. Je sais que c'est jamais trop facile, mais quand même, merci. Allez, on est au complet. Laissons ces petites choses. Alors, je déclare donc, on a un certain nombre d'absents qui sont excusés. Véronique de Balanda a donné pouvoir à Brigitte Boiron. Arthur Dehaene à Yann Queneau. Marie-Alice Bels à moi-même. Et Yannick Géhin à Tania Günther-Fuma. Alors, je vous propose de nommer comme secrétaire Yann Queneau. Pas d'opposition, adoptée. Alors, juste un point. Vous avez vu par vous-même, parce que vous êtes des gens qui lisez bien sûr les comptes rendus, Monsieur Pascal, merci. Vous avez vu par vous-même que ce conseil est lourd, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer. Bon, il y a des choses qui ne posent pas de problème, d'autres sur lesquelles je pense que vous aurez quelques questions. Je vous demande d'être concis, précis, y compris dans vos questions, y compris dans les réponses par rapport aux élus et autres. C'est-à-dire, soyons concis pour que ça se termine conformément à nos habitudes et légèrement en vigueur. Alors, cela étant dit, je vais donc vous mettre au rapport et au vote un compte-rendu qui est celui du 13 mars, celui du 12 avril viendra. Y a-t-il des remarques ? Madame. Monsieur le maire, donc ce compte-rendu est plus complet que les précédents puisque... C'était le débat d'orientation budgétaire et donc forcément il le retrace, donc c'est un point positif. En revanche, pour les autres délibérations pour lesquelles on avait voté contre, il n'y a aucune explication de notre vote, comme à l'habitude, ce qui est vraiment regrettable. Et donc pour la même raison, nous voterons contre. Alors je vous rappelle, merci madame, que ce compte-rendu est effectué conformément à la loi et que nous appliquons les textes légaux. Pas d'autres remarques. Donc, combien de comptes? Levez la main. Merci. Je pense qu'on vous a vu. Vous êtes donc, ça fait 7 au total, c'est ça? Bien. Alors, maintenant, j'en viens effectivement au L 21-22-22 du Code général des collectivités. Je vous demande, à chaque fois que vous prenez la parole, de poser toutes les questions. Et il est inutile de revenir derrière, car je pense qu'il faut qu'on travaille avec ordre et méthode. Qui souhaite poser des questions? Attendez, qui lève la main là-bas? C'est Madame Günther. Allez-y. Allez-y, Madame. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Mon micro n'était pas allumé.
Merci beaucoup. J'ai juste une question concernant cette première décision, donc la numéro 39, qui concerne le bail précaire qui a été accordé à la société Hololab pour l'occupation de la maison située au 36 de l'avenue de Saint-Germain. Cette société va bénéficier de plusieurs remises successives jusqu'en 2025 et j'aurais voulu savoir pourquoi elle a droit à ces remises et qu'adviendra de la maison au-delà de 2025? Est-ce que c'est le moment où vous démarrez un chantier ou vous détruisez cette maison? Merci. C'est tout à fait simple. Nous avions déjà loué à une société cet immeuble qui est porté actuellement, comme vous le savez, par les PFIF. Mais en l'occurrence, cette société, malheureusement, compte tenu du Covid, n'a pas pu prospérer. Donc, M. Mourgue, ici présent, a trouvé une autre société qui utilise bien sûr l'immeuble dans l'état où il est, et c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé un accord. Tu veux dire un mot? Je rajouterais simplement que cette société qui connaît un fort développement et une forte croissance était à la recherche active de locaux, et si elle ne trouvait aucune solution locale, était prête à signer à Courbevoie, je crois. Donc c'est l'occasion pour nous de garder une société qui se développe dans un bien immobilier, comme l'a rappelé le maire, qui pour le moment répond aux attentes. J'ajoute une chose, il n'y a aucun projet immobilier à ce propos et ça viendra à un moment opportun. Autre question, Madame Singer. Ah ben vas-y. Non mais attendez, alors qui pose la question? C'est Monsieur Drôle? Non, c'est Monsieur Liégeois. Allez-y. Oui, la numéro 49. Laquelle? La 49, décision relative à l'avenant numéro 2 à la mission d'accompagnement. Attendez, faut que j'y arrive. 49, décision relative à l'avenant à la mission d'accompagnement, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était pour une précision, savoir en quoi ça consistait, puisqu'il y avait une étude sur l'accueil périscolaire et extrascolaire avec les données fiscales des familles récoltées. Est-ce que ça consistait en quoi, en fait? C'était de caler les tarifs? Ça consiste à quoi l'étude? Bon, Madame Boiron va vous répondre au fond. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. C'est le cabinet qui nous a accompagnés tout au long de l'étude qui a été faite pour l'étude des tarifs, aussi bien pour le périscolaire que pour la cantine. C'est le cabinet qui nous accompagne depuis le début. Vous m'entendez ou pas? Oui, d'accord. Donc, il nous a donné la méthode de travail pour pouvoir sortir nos tarifs. C'est aussi simple que ça. Autre question, Madame Singer. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Sur la numéro 50, décision relative à la modification de la régie de recettes du service hippique en régie mixte événementielle des activités hippiques et commerciales. C'est une simplification. Une simplification qui a quel objectif? On regroupe les régies de plus en plus maintenant, jusqu'à arriver à un moment à une seule informatisée. Merci. Autre question, Madame Théron, s'il vous plaît. Oui. La 63, la décision relative à la remise en gestion partielle de l'ensemble immobilier, le bâtiment dit tribune en étant exclu, situé 1 avenue de la Pelouse par l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est juste pour comprendre, en date du 18 avril 2023, quelle est la décision de remise en gestion partielle pour l'hippodrome? En quoi ça consistait? Alors, comme on le verra plus tard, c'est la 63. L'EPFIF nous a remis la gestion courante, cet immeuble, de manière à ce que nous puissions faire face, parce que l'EPFIF n'a pas toujours les moyens pour pouvoir faire face. Voilà. Alors, si je comprends bien, c'est hors tribune, donc c'est-à-dire ce sont les espaces verts, en fait, tout ce qu'il y a autour. C'est le VRD, oui, c'est voilà. Tout, c'est ça. Donc c'est l'entretien. C'est ce que nous verrons après dans une autre décision. Bon. Madame Lavagne, vous avez levé la main, allez-y. J'avais demandé une copie de cette décision que je n'ai pas reçue. Pardon? Je vous l'ai envoyée, madame. Je vous l'ai envoyée. Et elle vous est arrivée, j'en suis intimement convaincu. Et s'il faut la renvoyer, je vous la renverrai.
Mais j'ai eu un autre mail de votre part sur un sujet de nature nationale, mais pas sur ce sujet-là. Pardon ? J'ai rien compris de ce que vous dites. Je disais que j'ai été l'heureuse destinataire d'un mail de votre part. Bon, mais ne mélangez pas, s'il vous plaît, les rythmes. Et surtout, je vous ai envoyé ça dimanche. Et donc, je vais vérifier. Je n'ai pas eu du nom delivery, comme on dit maintenant. Donc, ça vous a été envoyé. Bien. Autre question, il n'y en a pas. Oui, monsieur Givanilovitch, oui, je vous écoute. Oui, la 72 sur la décision relative à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi d'insalubrité dans des logements privés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'une mission d'assistance pour faire des constats, notamment dans les insalubrités que nous rencontrons malheureusement en ville. C'est rien d'autre et ça nous aide. Étant entendu que, comme vous le savez, depuis quelques années, on a largement réduit les logements insalubres. Donc, c'est une assistante. Le maître d'ouvrage, c'est moi. Hein. Enfin, c'est l'assistant à l'autorité qui agit pour réduire les insalubrités. Bon, si vous étiez d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, on va passer. Et je voudrais venir sur un certain nombre, effectivement, d'informations. Et on va commencer par les emmerdes qui volent en escadrille. Alors, nous avons donc eu, depuis 2-3 jours, une alerte extrêmement difficile d'un effondrement d'immeubles, même de 2 actuellement, au numéro 20 avenue de Longueuil et au 12. Ça s'est déroulé de la manière suivante. C'est une des locataires du 20 qui, ayant un appartement à l'étage, a voulu ouvrir ses volets. Elle n'y habite pas, mais elle a en location cet appartement. Et en ayant voulu ouvrir les volets, elle est en incapacité d'ouvrir le volet. Donc elle regarde et finalement elle appelle les pompiers pour voir ce qui se passe. Les pompiers arrivent et constate effectivement qu'il y a des désordres importants dans cet immeuble. Et immédiatement, les services de la direction générale, et je tiens à rendre hommage ici à Muriel de Moerloz, qui a effectué un travail immédiat et important, se rendent sur place. Et les pompiers, que je convie dans mon bureau, nous disent immédiatement il y a nécessité d'interdire l'accès à cet immeuble. Qui plus est, une fois que les pompiers ont eu dit ça et que j'ai eu la tâche du colonel pour savoir quand est-ce que j'aurai le rapport, mais ça c'est une autre histoire, j'obtiens à ce moment-là un rapport de quelqu'un qui avait déjà auditionné et expertisé cet immeuble il y a déjà quelques mois, plus 3 mois, et qui conclut tout simplement qu'il y a un danger grave et qu'il faut interdire l'accès à cet immeuble. Le problème, sans rentrer dans les détails, parce que je ne saurais mettre sur la place publique tout un tas d'échanges avec la propriétaire, mais cette propriétaire n'a pas bougé. Or, en l'occurrence, c'est à elle d'agir pour remédier au désordre sur un immeuble. Et c'est extrêmement grave, parce que les assurances ne prennent pas en charge la perte d'exploitation lorsqu'il s'agit de quelque chose sur ce genre d'immeuble. Il y a donc eu nécessité d'en interdire l'accès et donc aujourd'hui en complément, j'ai mis en demeure la propriétaire d'effectuer les travaux et alerter toutes les autorités par ailleurs. Voilà où nous en sommes. Ce qui est grave, c'est qu'à mon sens, les travaux vont durer, ils sont onéreux et que nous avons malheureusement 2 commerces qui vont subir une perte d'exploitation. À eux de se retourner, bien sûr, contre les propriétaires de l'immeuble. J'envisage, pour rien vous cacher, dès lors qu'ils pourraient avoir accès à leur labo, c'est-à-dire en toute sécurité,
d'envisager de mettre des bungalows sur la voie publique pour qu'ils puissent continuer leur activité. Mais tout cela est subordonné à un accès au laboratoire des deux commerces. Voilà où nous en sommes ce soir. Je n'ai de cesse de suivre le dossier avec notamment Muriel de Moerlos, que je remercie, et j'espère qu'on en sortira, mais je crains fort que cela porte, je dirais, un certain préjudice à l'ensemble de la ville. Là-dessus arrive le 12 avenue de Longueuil, où là encore, le mari de la coiffeuse se rend à la cave et constate qu'il y a des désordres dans la cave. Les pompiers qui sont arrivés aujourd'hui ont pris la même décision que pour le vin, et je pense que c'est quelque chose d'assez différent, mais il est possible que ça soit dû, je ne suis pas ingénieur, donc on verra, aux vibrations de la circulation. Donc la circulation a été interdite au droit de cet immeuble, passage piéton uniquement, et pour les autres commerces qui sont au bout de cette rue, il y aura donc un double sens dans la rue pour qu'ils puissent travailler. Ce qui est certain, c'est que là encore, il y a un désordre sur l'immeuble, et que notamment, ce sont des immeubles qui datent à la fin du 19e siècle. Je ne pense pas que ça soit lié à ce qui se passe au numéro 20. Mais là encore, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer plus avant sur cet immeuble qui a des difficultés, des césures, des failles, et il paraît même que la toiture commence à avoir des problèmes. Voilà où nous en sommes sur ces deux sujets. Je n'ouvre pas le débat à ce sujet parce que ça concerne des personnes privées. Sachez simplement que nous sommes parfaitement alertés et que nous mettrons tout en œuvre pour trouver des solutions rapidement. J'en viens maintenant à un autre sujet d'emmerdement, et je pèse les mots, la route des pavillons. Alors, je vais dire très clairement, il y a un certain nombre de personnes qui jouent les bouches du coche à ce propos. Je tiens à dire que ce n'est pas avec les mouches du coche qu'on va résoudre ce problème. Ce problème, nous y sommes alertés depuis maintenant plus de 2 ans, où régulièrement nous avons des échanges avec l'ONF, qui a un objectif, c'est de donner aux collectivités locales l'entretien de cette voie. Sauf que cette voie est située à Saint-Germain-en-Laye, et que le maire de Saint-Germain, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas véritablement intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il a une multitude de routes forestières pour lesquelles l'ONF demande des comptes. Et donc, je le dis, je l'ai mis dans un communiqué, je trouve que l'État pourrait aussi donner les moyens à l'ONF, qui est une agence de l'État, de lui donner les moyens pour entretenir ces routes forestières. Alors, la route forestière que nous connaissons, celle des pavillons, elle va effectivement de Maison Lafitte à Achères, et il y a 8000 véhicules jour dans les deux sens. Si vous imaginez qu'il y a une fermeture, tout cela va se reporter à partir de la Croix de Noailles sur la CD308. Et ça va bien sûr accroître dans le centre de la ville beaucoup de difficultés. Je vous rappelle que sur cette partie de la 308, il y a 20 000 véhicules jour. Il y en a 23, 24 sur le pont, etc. Donc, bien sûr, je suis en relation directe avec le préfet et je peux vous annoncer qu'il va y avoir très bientôt une réunion pour trouver des solutions. Comme disait Geneviève Taboui, attendez à ce que vous puissiez payer à la sortie. Nous avons déjà, Ville de Maison Lafitte, payé 50 000 euros pour boucher les trous sur cette voie, tout simplement parce que j'ai estimé qu'il y avait des trous, qu'ils étaient dangereux. Et avec Claude Kopelanski, nous avons effectué le rebouchage de ces trous pour éviter des accidents. La ville d'Achères viendrait également dans une prise en charge. Le seul problème, et ça je n'ai pas beaucoup apprécié, je n'ai pas pour habitude, je dirais, de travailler sous des contraintes et des menaces. L'attitude de l'ONF, et là c'est tout le monde qui le dit, y compris la préfecture, est inadmissible.
Et donc, je l'ai mis dans mon communiqué, mais nous trouverons des solutions. Je suis prudent, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de trouver des solutions d'une remise totale en, je dirais, en travaux de cette route forestière. Je l'ai pris il y a 5 jours et j'ai pu constater qu'elle était en bon état, qu'il y a quelques endroits où il faut effectivement effectuer quelques travaux, mais sur les 9 dixièmes, le macadam est bon. L'agglo est aussi intéressé, donc on va regarder tout ça. Donc je pense que de toute façon, je vous le dis tout net, il est hors de question qu'il barre, que l'ONF prenne des mesures coercitives, parce que ça tournerait franchement au vinaigre, je le dis comme je le pense, et je ne suis pas le seul à le dire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette route des pavillons. Madame Singer. Une remarque et une question, s'il vous plaît, monsieur le maire. La remarque, c'est que bon, vous avez beau jeu d'incriminer l'État sur l'ONF, je ne sais pas si vous l'auriez fait dans d'autres circonstances, mais en tout cas, l'ONF est en charge, à ma connaissance, d'entretenir des routes forestières pour un usage de routes forestières, c'est-à-dire l'entretien des forêts, notamment, voire un petit peu plus, mais certainement pas des routes sur lesquelles il y a du trafic routier qui n'a rien à voir avec l'entretien de la forêt. Et deuxième question, puisque vous dites que l'ONF a une attitude coercitive, pardon, première question, puisque ce n'était pas une question que j'ai formulée juste avant, est-ce que l'ONF a pris cette décision là, sans que vous en soyez nullement averti avant ? Madame Singer, vous êtes conseillère municipale de la ville de Maisons-Laffitte. Je vous confirme. Vous permettez ? Je trouve absolument incroyable que vous puissiez aller à l'encontre de nos concitoyens, de l'intérêt de nos concitoyens. Je trouve incroyable. Madame, je vous prie de ne pas m'interrompre. Moi aussi. Non, c'est vous qui dites n'importe quoi et vous permettez, calmez-vous. Je sais que vous étiez en pleine forme hier au concert et que vous êtes... voilà. Madame, vous vous taisez, s'il vous plaît. Vous écoutez ce que je vais vous répondre. Je viens de vous dire que je ne peux pas admettre vos propos pour la bonne... Moi, je ne peux pas admettre les... Madame, je peux vous dire une chose, c'est que ce que vous venez de dire, croyez-moi, je le ferai savoir. Parce que je trouve scandaleux que vous veniez ici critiquer. Nous avons eu de multiples rencontres avec l'ONF et qui effectivement s'arc-boutait en disant « moi, je ferme ». Et on lui a dit « on se calme ». Parce que nous avons fait des travaux, nous, la ville de Maisons-Laffitte, et je peux vous dire également, nous savons pertinemment que l'impact de la fermeture de cette route sur nos concitoyens serait redoutable. Et vous permettez, quand vous voulez parler, vous demandez la parole et vous ne m'interrompez pas. Merci. Ce que vous dites est profondément scandaleux. Et je peux vous dire, je le ferai savoir, je trouve scandaleux que vous réagissiez de cette manière. Merci. J'ajoute une chose, c'est que nous avons, vous permettez, Madame Singer, l'ordre d'une délibération et d'un conseil municipal démocratique, ce n'est pas votre attitude. Ça n'est pas la vôtre. C'est aussi simple que ça, c'est qu'en l'occurrence, nous étions en contact, et la dernière réunion a eu lieu, notamment, pour rien vous cacher, à l'agglo de faire des comptages qui ont été faits. Ensuite, nous avons regardé, et là-dessus, effectivement, le directeur de l'ONF prend des mesures radicales et pose des panneaux, ce qui était un signe de provocation imbécile. J'ajoute une chose, ce que... Donc vous... Je vous ai dit que ce n'est pas comme ça que l'on parle, madame. Eh bien, vous n'êtes pas d'accord, ça n'a aucune espèce d'importance, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui conduis les débats. Bien. Et donc, nous avons eu des contacts avec l'ONF, nous étions prêts, et nous l'avons prouvé depuis 2 ans, nous avons rebouché rebouché les trous, et nous sommes prêts à regarder, mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que l'ONF vous dise, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas comme ça qu'on agit. L'agence de l'ONF est une agence de l'État, hein, jusqu'à nouvel ordre, nous, c'est pas nous qui bénéficions des coupes d'arbres et des honoraires qui le
perçoit, parce que amicalement je disais au directeur, bah écoute, faut que tu nous redonnes une part de la vente des bois, puisque maintenant les prix des bois ont augmenté, alors qu'il se plaignait avant que c'était pas le cas, mais la situation économique a totalement changé. Sachez simplement une chose, c'est que nous trouverons une solution, mais cette solution sera négociée, elle sera pas négociée sous un diktat. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Givanovic, on clôt le débat là-dessus. Je n'ai nulle envie de continuer avec de mauvaise foi. Merci. Mauvaise foi. Mais non, mais on n'a plus le droit de parler. Là, sur ce point précis, c'est en cours de négociation. Monsieur Bouvier a la parole. Non, vous n'avez pas la parole parce que vous avez coupé le micro, vous avez pris le coupeur de vous-même alors que vous aviez là la main pour le demander. Voilà, merci. Je peux continuer avec ma question sur ce sujet où on n'a pas très bien compris concrètement ce que vous allez faire, puisque le 3 juillet précisément, ça ferme. Non, je vous ai dit non. Non, mais c'est pas la peine de terminer, vous vous embrayez sur quelque chose qui est faux. Mais c'est pas faux, c'est... Non. Mais c'est pas Jacques Maire tout seul, si vous voulez savoir. Le directeur, écoutez-moi un instant, le directeur de l'ONF a reçu des instructions précises en disant « vous ne bougez pas ». Voilà. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Et que vous, en tant que conseiller municipal, vous n'appuyez pas la position de la ville, c'est pitoyable. À toi. Bonsoir à tous. Juste quelques propos. Dans le dernier conseil municipal qui s'est terminé un peu tardivement, marqué celui-là, à mon avis, sera pareil, il y a eu quelques assertions prononcées et quelques assertions qui méritent une petite réponse après coup. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté de mauvaise foi dans ces assertions. Aussi, je me contenterai de donner quelques éléments d'information objectifs sans aucune polémique. Le premier point qui a été indiqué, c'est que pour les résidences seniors, donc puisqu'il y en aurait une sur la place du marché, vous aviez fait remarquer que la résidence Eau Active, avenue de Saint-Germain, ne réussissait pas parce qu'elle n'avait qu'une quinzaine d'occupants et donc qu'il y avait une offre sans réel besoin que nous mettions en place en ville. Pour répondre simplement, j'avais commencé la dernière fois, donc pour les personnes âgées, 8 visites en moyenne avant de s'engager, également en durée 8 mois en moyenne pour toutes les résidences, mais c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Espagne ou au Portugal. La moyenne, c'est entre 2 ans et demi et 3 ans et demi pour remplir une résidence senior, pour la bonne raison aussi que les exploitants sérieux, et ce sont des exploitants sérieux que nous avons à Maison Lafitte, font cela, non pas pour se précipiter pour les remplir, mais pour que les personnes âgées y soient bien et qu'elles y restent, et que ça aille le mieux possible. Donc, ils ne les précipitent pas pour signer. Et donc, surtout, et c'est l'élément objectif que je voulais vous donner, le réel besoin, ben justement, il arrive, et il arrive énormément. Puisque entre 2010 et 2021, le nombre de personnes âgées entre 75 et 84 ans, qui est la population de base pour ces résidences, n'a pas bougé. C'était 4 millions, ça n'a pas bougé. Et entre 2022 et 2031, on tombe sur les baby-boomers de l'après-guerre, et on aura tous les ans environ 200 000 personnes de plus dans cette classe d'âge. Ça veut dire qu'on va vers un problème, mais massif à ce niveau-là, qui sera du même ordre que celui que les gouvernements précédents ont laissé faire pour le manque de médecins, en agissant trop tard sur le numerus clausus. Là, évidemment, c'est dans le domaine, certes privé, mais aussi public, avec les logements sociaux pour les personnes âgées. On va vers un très, très gros problème au niveau logement des seniors. Donc, simplement pour dire qu'il y a un réel besoin objectif. Premier point. Il y a une question. Sur le constat du besoin de logement senior, pourquoi pas, mais aussi il y a une question de coût. Tout le monde n'a pas les moyens de la demande des loyers ou des achats qui sont nécessaires. Il y a une question quand même de coût. Pour répondre à ce point précis, il y a eu évidemment des études. Ce type de résidence senior permet à 35 à 45% des ménages d'avoir les conditions financières pour y accéder. Ce n'est donc pas la totalité, c'est vrai. Ce n'est pas non plus, comme j'entends parfois, 5 à 10% de la population. C'est 35 à 45%. J'ai une étude XERFI que je peux mettre à votre disposition, si vous voulez, pour le regarder d'une façon objective. Comme je vous dis, ce sont des éléments objectifs. Le second point, donc très rapidement, c'est sur une chose que j'ai pas apprécié parce que j'estime que c'est faux. Au niveau des domaines, vous nous aviez indiqué pour l'avis des domaines que nous avions mal négocié en négociant au plus haut
l'acquisition des parkings et au plus bas, la vente de l'immeuble. Donc simplement pour dire un point précis, quand vous êtes des particuliers et vous faites expertiser un appartement, vous faites venir 3 experts, vous n'aurez jamais le même chiffre. Mais jamais, évidemment, parce qu'il y a tellement de critères à prendre en compte, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas mathématique et c'est pour ça que le législateur, dans sa sagesse, a prévu des marges de variation. Et dans ces marges, il y a donc un équilibre total sans justification particulière. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, dans le dossier, on avait un autre point. Le maire l'a d'ailleurs cité, mais je n'ai pas l'impression que vous l'ayez écouté à ce moment-là. Il a indiqué qu'il y avait une pollution du terrain extrêmement importante. L'expert n'en avait pas eu communication lors de son expertise. D'ailleurs, il l'a indiqué dans son rapport. Il n'est pas tenu compte de la pollution éventuelle des sols, pollution qui a été estimée à 675 000 euros hors taxes. Entre-temps également, puisque c'est un bilan pour l'évaluation des domaines, entre le moment où l'expert a écrit son rapport et le moment où on a fini la négociation et passé dans le conseil municipal, le BT06 pour les sous-sols a augmenté de 3% et les taux d'intérêt ont augmenté de 1%, faisant en sorte que le promoteur touche environ 10 à 15% de moins sur ses ventes des produits au-dessus. Ce qui fait donc que nous avons donc par la même, et bien évidemment, nous aurions été très nettement différemment s'il y avait une nouvelle étude des domaines, mais à quoi bon le faire puisqu'on était dans les clous et que par là même on gagnait du temps et on ne surchargeait pas une administration qui a beaucoup de travail à faire pour les mairies, pour les collectivités, qui le fait très bien et au maximum, mais malheureusement l'État ne donne pas assez de crédits et ils sont trop peu nombreux. Voilà. Donc on n'allait pas les surcharger. Voilà. Juste une précision, quand vous indiquez que l'état de pollution du terrain aurait un impact sur le prix, il me semblait que c'était la ville qui prenait en charge les frais de dépollution du terrain, justement, qui était assez important, et pas l'acquéreur. Allez-y. Oui. C'est bon ? Bien évidemment, ça vient en baisse du prix. Donc, indirectement, oui, c'est la ville qui le prend, oui, puisque ça joue sur le prix. Sinon, on ne peut pas arriver à une négociation. Le promoteur n'a pas une marge telle qu'il peut absorber 750 000 euros sur l'opération. Merci. Ça n'a pas d'impact sur le prix de vente, en fait. C'est sur notre marge, effectivement. Ça nous revient, on gagne moins, mais effectivement, on le prend en charge. Ça n'a pas d'impact à la baisse sur le prix de vente à cette personne. Mais si, enfin dans le bilan, enfin si vous voulez, moi je suis à votre disposition après, vu ce soir, pour vous expliquer tranquillement le bilan promoteur de l'opération et pourquoi il y a ce problème. Je pourrais vous le montrer noir sur blanc, si vous voulez, tranquillement. Alors, je voudrais juste ajouter une chose. Coupez votre micro, madame. Je voudrais juste ajouter, merci Philippe pour ces explications nécessaires. Je vous rappelle, et je l'avais dit, que si nous avions voulu construire des immeubles bourgeois, le prix eût été bien supérieur. Mais que, comme c'est une activité à la fois économique et de pôle de santé, eh bien, le prix doit tenir compte du bilan économique de l'ensemble de l'opération. Voilà. Alors, maintenant, Madame Magali, vous allez nous dire un mot de la fête des jardins. Bonsoir à tous. Donc, la fête des jardins a remporté, comme d'habitude, un vif succès avec une comptabilisation de 1200 entrées. Placé sous le thème du « Fait maison Lafitte », on a pu observer différents stands, des stands d'information avec la CAGBS pour informer sur toutes les activités de compostage, l'association Eurynasus pour la protection des hérissons, mais aussi des stands traditionnels comme les apiculteurs, la ferme des concours pour la plus grande joie des enfants, et l'accent mis sur des ateliers qui sont en forte demande par nous mansoniens. Donc on avait un stand de rempotage organisé par les services de Maison Lafitte, la conception d'hôtels à insectes par le Citru, des ateliers de moulage d'animaux animés par le Fonds mondial pour la nature, la création de balles de graines par le Conseil des jeunes et aussi différents ateliers manuels animés par la nouvelle mercerie rue des Plantes. Merci. Alors... un coup de chapeau que je vais faire au spectacle équestre qu'il y a eu sur la carrière. Je n'ai jamais vu autant de familles présentes sur la carrière avec une multitude d'enfants, ce qui est ce que nous souhaitons faire. Et je peux vous dire que les retours et les remerciements ont été nombreux. Mais je salue, je dirais, le montage par le service hippique. Et c'est un spectacle vide, hein, gratis pour nos concitoyens. Et ça a été un succès. Une information qui m'a été communiqué par le préfet de région,
Par arrêté du 26 avril 2023, la propriété qui est située 2 avenue Masséna à Maison Lafitte, qui appartient à un propriétaire privé, a été inscrite sur les monuments historiques et elle est comprise et elle est inscrite en raison de son aspect, attendez que je retrouve bien les termes pour ne pas me gourer, parce que elle est corbusienne. Alors Le Corbusier et moi, ça fait deux. Vous savez comment on l'appelle à Marseille, on est la maison du Fada. Mais pour rien vous cacher, effectivement, c'est une. Je suis allé visiter cette maison. Elle est pour moi agréable et elle est habitable, à la différence de la celle de Poissy. Qui est la Villa Savoie, qui est une catastrophe puisque jamais la propriétaire n'y a pu y habiter. Donc je voulais vous le dire, et ce qui m'amène à dire qu'en termes de monuments et inscrits où la ville de Maisons-Laffitte est certainement première dans les Yvelines, parce que nous avons une multitude en dehors des quartiers classés de Saint-Germain et de Versailles, une multitude monuments inscrits ou classés. Alors maintenant, je passe aux questions et M. Drolle va nous faire l'amitié de faire une synthèse de sa question et on va lui répondre. Vous avez la parole, cher collègue et néanmoins ami. Enfin, presque. Monsieur le maire, dans votre communiqué de presse daté du 1er juin 2023, vous reliez des propos délirants d'un militant climato-sceptique peu recommandable. Je vous cite, le CO2 n'est pas produit par des activités humaines et le cul des vaches, mais provient des océans qui dégagent plus de 90% du CO2. Ne vous en déplaise, et contrairement à vos allégations, le solde net des émissions de carbone est, selon le GIEC, d'environ 5 gigatonnes de CO2 attribuables en quasi-totalité à l'activité humaine. Afin de réduire nos émissions de CO2, l'Europe a décidé la fin des voitures thermiques neuves à partir de 2035. Je sais bien que vous n'êtes pas favorable aux voitures électriques, mais sur ce sujet, comme sur le réchauffement climatique, l'Europe a choisi de suivre l'avis des experts plutôt que le vôtre. Les Mancuniens l'ont bien compris et s'équipent de plus en plus de voitures électriques. Or, si j'en crois le site de la ville, nous n'avons que 4 bornes de recharge à Maisons-Laffitte. Au vu de la croissance des ventes de véhicules électriques, c'est très insuffisant. Avez-vous prévu d'augmenter fortement le nombre de bornes de recharge à Maisons-Laffitte dans les mois à venir? Alors, Madame Sandrine Coutard va vous répondre. Et puis, cher ami, je pourrais presque vous offrir, n'est-ce pas, un livre d'un ingénieur polytechnicien centralien qui s'appelle « Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC ». Mais on poursuivra ça après avec beaucoup d'autres témoignages, notamment d'ingénieurs du mythe aux États-Unis. Et donc, Monsieur Panurge, continuez votre œuvre. Sandrine Coutard, vous avez la parole. Tu as la parole, pardon. Bonsoir. Alors, il y a quelques mois, lors d'un précédent conseil municipal, nous avions déjà eu une question sur la consommation, l'utilisation des bornes de recharge électrique, qui sont à ce jour au nombre de 4 au niveau de la ville. À l'époque, je vous avais dit que hormis la borne de recharge rue Guinemer, donc derrière la bibliothèque, les autres peinaient à trouver leur vitesse de croisière. Au niveau des bornes de recharge, il y a 2 indicateurs de mesure, un équivalent au kilomètre parcouru et un nombre de sessions, un nombre de charges. À l'époque, le nombre d'équivalents kilomètres parcourus était de 16 497 pour 4 bornes. Aujourd'hui, donc 3 mois plus tard, il est de 17 774, donc à peine 1000 km équivalent kilomètres parcourus de plus. Et le nombre de charges à l'époque était de 208, aujourd'hui il est de 211. Donc aujourd'hui, finalement, on ne voit pas une forte croissance dans la demande des bornes. En revanche, on constate un rééquilibrage avec un démarrage timide de la borne Avenue de Saixe et un rééquilibrage de la borne rue Guinemer. Merci. On poursuit. Madame Valérie Singer, si vous avez la parole. Jacques, je veux quand même juste terminer. Ah, pardon.
En revanche, là où on vous rejoint, c'est dans nos discussions dès l'amont avec le CIGIF, il était convenu d'une borne de recharge rapide. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder avec le CIGIF où nous pourrions l'implanter au niveau de la ville. Mais au-delà de cette borne de recharge rapide, à ce stade, il n'y a pas lieu de compléter plus l'équipement en borne de recharge. C'est ce qui prouve la sagesse de nos concitoyens. Madame Singer. Monsieur le maire. C'est moi. Nous ne pouvons l'ignorer. Lors du budget 2022, 100 000 euros ont été affectés à la société des courses hippiques de Maison Lafitte afin de recruter un professionnel capable de mener à bien la reprise des courses à Maison Lafitte. Cette somme figure dans les comptes administratifs 2022 que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui. Néanmoins, lors du vote du budget 2023, aucune autre somme n'a été allouée à la société des courses hippiques de Maison Lafitte. Qu'en est-il donc du recrutement annoncé en 2022 et plus largement, que devient cette fameuse société des courses hippiques de Maison Lafitte ? Merci madame, je me réjouis que vous vous intéressiez effectivement à la société des courses hippiques de Maison Lafitte que j'ai porté, dont j'ai porté les statuts et effectivement sur lequel nous avons alloué en 2022 une subvention. Simplement, il faut avancer pas à pas. Et que cette société, à la date d'aujourd'hui, n'est pas encore titrée pour pouvoir engager des frais. Quand elle le sera, eh bien, elle le fera. Donc, c'est une question où on avance pas à pas et que, pour l'instant, il était inutile qu'elle engage au préalable ce directeur parce qu'elle ne va pas en avoir, je dirais, la nécessité maintenant et qu'il fallait donc un peu attendre. Donc, ça viendra, n'ayez aucune crainte. Elle sera titrée notamment sur la partie verte de l'hippodrome, simplement par une amphythéose sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais ça prend encore quelques mois. Merci. Monsieur Jivanidovitch, soi-même. Allez-y. Monsieur le maire, Paris organise les Jeux Olympiques entre le 26 juillet et le 11 août 2024. La ville de Maison-Lafitte a obtenu le label « Terre de Jeux », mais nous sommes aussi ce qu'ils appellent CPJ, Centre de Préparation des Jeux, pour plusieurs sports, comme il nous l'a été dit dans une question précédente, le rugby à 7 et les épreuves équestres suivantes, le concours complet, le dressage olympique, le dressage paralympique et le saut d'obstacle. À ce sujet, pourriez-vous nous indiquer les démarches qui sont effectuées par la ville pour attirer des équipes étrangères sur notre territoire et plus précisément en matière paralympique? Et il en va de même pour la Coupe du Monde qui a lieu au mois de septembre, mais je crains que ce ne soit malheureusement trop tard. Et pas c'est pas trop tard, c'est que c'était acquis déjà. Monsieur Queneau, allez-y, vas-y. Alors effectivement, c'est une question qui était déjà arrivée il y a quelques temps. Et on vous avait expliqué qu'on montait en puissance sur l'ensemble de ces sujets. Alors, en effet, alors concernant le label Terre de Jeux, vous êtes peut-être venu au Parc des Sports vendredi soir, je ne vous ai pas vu, vous auriez pu assister à une belle fête qui a clôturé la semaine de l'Olympisme et du Paralympisme. La ville, en tant que ville, on a proposé un spectacle et une initiation sur le thème des nouvelles disciplines olympiques. Et de leur côté, donc, les associations ont bien joué le jeu et ont proposé des activités sportives et manuelles sur le thème des Jeux Olympiques. Concernant la Coupe du Monde du rugby, c'est un petit peu la même chose. Nous avons commencé pendant le tournoi Destination à proposer des animations découvertes du rugby, puis la retransmission des matchs. Alors, je ne sais pas si vous y êtes allé aussi, mais si vous avez raté ça, on va recommencer l'opération pour le premier match de la Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande, le 8 septembre. Alors, concernant l'accueil des équipes, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde de rugby ou pour les Jeux Olympiques, alors déjà, sur la partie Jeux Olympiques, on ne connaît toujours pas les qualifiés, que ce soit en équitation ou en rugby, et encore moins les conditions dans lesquelles il faut les accueillir. Après, si je reprends la partie olympique et rugby, on se concentre donc sur les éléments que nous contrôlons, c'est-à-dire les infrastructures. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on aura tous les stades et tous les terrains adaptés à l'accueil des athlètes, rugby et équitation. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans le budget que d'ailleurs vous avez refusé de voter, nous avons inscrit d'importants travaux concernant les sites d'entraînement concernés.
Voilà, donc pour résumer, surtout pour les Jeux Olympiques, on est dans un environnement assez flou, mais on continue notre montée en puissance. Merci. Juste ajouter une ville, notamment les villes voisines, qui sont déjà centres d'accueil pour certains pays. Est-ce que vous avez fait les démarches pour être centre d'accueil pour certains pays? Manifestement pas. S'il vous plaît, sur ce point précis. Oui, mais ça n'a pas été. Sur ce point précis, il n'y a pas de. Nous ne connaissons pas les équipes. Est-ce que vous connaissez les équipes qualifiées pour les sports équestres? Vous connaissez les athlètes qui sont qualifiés en équitation et en rugby? Nous ne les connaissons pas. Monsieur Givaninovic, ce n'est pas la peine de soliloquer, personne ne vous entend, les micros ne fonctionnent pas quand il y a deux personnes qui parlent, c'est-à-dire Yann Kenou et moi-même. Qui voulez-vous accueillir en équitation et en rugby? Bah si. La réponse est non pour la chose tout à fait simple. Vous écoutez? Bien. Parce que pour ce qui est des carrières, effectivement, en équestre, les investissements demandés par rapport à nos carrières équestres, il y a des importants investissements que nous ne sommes pas capables de faire. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, la seule équipe qui, effectivement, viendra, etc., elle a été, effectivement, elle va à Saint-Germain, et que pour l'instant, en matière équestre, nous ne connaissons pas les autres. Il n'est pas impossible qu'il y ait un certain nombre d'équipes qui viennent et pour ne seulement loger les chevaux, ce sera jouable. Et ça, on veille au grain. En ce qui concerne le rugby, c'est la même chose. Il y a une équipe qui va être justement la ville de Croissy, a accueilli la ville de les Fidji, bon, dont acte, mais il n'en demeure pas moins que là encore, ça demande des éléments très importants en accompagnement. J'ajoute même une chose, c'est que... il est évident, moi j'ai été profondément scandalisé quand j'ai appris qu'effectivement, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la carte de la flamme olympique. Eh bien la carte de la flamme olympique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'un jour la flamme est dans le sud de la France, le lendemain matin elle va se retrouver au nord, et que, pourquoi? Ben parce que les villes ont payé et archi-payé. Il y a un moment, moi je me dis, si c'est ça les Jeux Olympiques, on ferait mieux d'arrêter tout de suite. C'est allé jusqu'à 150 000, 250 000 euros par les villes qui ont demandé à avoir la flamme olympique. Donc, il y a un moment, on pourrait quand même rester un peu les pieds sur terre et ne pas se lancer dans cette folie. Et je le dis comme je le pense. Voilà. Et donc, indépendamment des problèmes de sécurité qu'on va avoir, je viens de recevoir une lettre en disant « ça va être merveilleux », etc. Je peux vous dire que la sécurité sur la ville de Paris, sur la Seine, j'espère... Comme m'a appris Chateaubriand, je ne range pas à l'aune de mes espérances les malheurs de mon pays. Mais en l'occurrence, je suis très sceptique et même un peu scandalisé. Voilà. Alors, on vous a répondu. Merci. Anne Lavagne. Je vais faire court. Monsieur le maire, les familles qui ont des enfants en bas âge n'ont plus qu'une aire de jeu à disposition, accessible en bord de Seine. Celle de Mazerbe est fermée pour cause de travaux et celle, place Maréchal Juin, est actuellement inutilisable du fait des fortes chaleurs. La fermeture donc, de l'aire de jeu du parc Mazerbe n'a pas été anticipée. Et pourquoi ne pas avoir prévu d'installer des équipements dans un autre endroit qu'en bord de Seine? Vous aviez annoncé une aire de jeu dans le nouveau projet du parking du marché, derrière les bâtiments. Mais comment sera-t-elle accessible alors que elle sera sur un domaine privé? Madame Lavagne, j'adore que vous donniez des verges pour vous faire battre. Et on va vous répondre parce que je vous ai déjà dit depuis au moins des mois et des mois que si vous me trouvez une aire, un terrain en dehors de Malesherbes, des berges de Seine et ce qu'on va faire maintenant sur la place du marché, impossible de trouver un endroit idoine pour installer une aire de jeu. Impossible. Merci, madame. Vous permettez... Du côté de la place Marine. Ah ben ça, c'est intéressant. Il faudra que j'en parle. Oui, on peut. Est-ce que vous savez que sur un certain nombre de points, dès que j'essaye de mettre notamment un garage ou plutôt d'identifier une zone dans le parc pour que le bus
scolaire puisse passer, j'ai des récriminations sans fin de l'ASP. Alors, je peux vous dire... Les relations avec l'ASP, oui, c'est ça. Et c'est vous qui le dites ? Eh bien, bravo. Madame. Alors, Madame Coutan va vous répondre parce que ce que vous avez dit est faux en grande partie. Je pense, Monsieur le maire, que vous avez apporté des éléments de réponse. Alors, vous parlez de non-anticipation. Là, on n'est pas du tout d'accord avec vous, puisqu'on a encore échangé avec Claude au début du conseil municipal. Il y aura une offre de jeu qui sera présentée sur le parc Malesherbes. Donc, c'est une phase de transition, effectivement, mais avec une nouvelle offre pour les familles qui sera bien plus appropriée que celle qui était existante et peut-être un peu vieillissante sur les jeux proposés. Il y aura également une nouvelle offre sur la place du marché, puisqu'effectivement, on y a pensé, hein, il y aura un chemin accessible pour les familles pour qu'ils puissent se rendre sur les jeux. Donc là encore, votre remarque n'est pas appropriée. Ensuite, à l'heure actuelle, vous parlez du parc de jeux de la salle, enfin de la place du Maréchal-Juin. En tant que jeune parent, je ne vois pas l'intérêt de sortir des enfants lorsqu'il fait 40 degrés dehors. Donc c'est du bon sens, on préconise aux sportifs de ne pas faire de sport. Je pense que les jeunes parents sont tout à fait conscients qu'on ne sort pas des enfants quand il fait 35 ou 40 degrés en plein après-midi pour aller sur une place pour des jeux. Et actuellement sur les berges de Seine, on a une offre qui est plutôt remarquable avec plus d'une dizaine de jeux diversifiés. On a des balançoires, on a des toiles d'araignées, on a des cabanes. Je pense que les Mansoniens apprécient complètement cette offre et qu'elle est complètement appropriée. Alors, madame, non, madame, on vous a répondu, on ne reprend pas la parole derrière. Je suis désolé, on avance, on a suffisamment de choses à faire. Maintenant, je passe la parole à Philippe Liégeois. Monsieur le maire, durant votre campagne électorale, vous avez beaucoup insisté sur la prise en compte du développement durable pour notre ville. Il existe des commissions extra-municipales, comme la commission sur la prévention, la sécurité et la participation des citoyens, ou la commission extra-municipale sur le développement durable, qui sont référencées sur le site internet de la ville et sont censées suivre l'état d'avancement des actions dans ces domaines. Aucune commission extra-municipale sur le développement durable ne s'est tenue lors de ce mandat. Pourquoi ? Tiens, vous remercier d'avoir lu avec attention mon programme électoral, puisqu'il a été, je dirais, adoubé par nos concitoyens. Mais on va vous répondre sur ce point précis. Donc, c'est Nicole Magali qui va vous dire que nous, ce n'est pas un slogan, mais c'est des actions concrètes. Effectivement, le développement durable fait l'objet... Le développement durable fait l'objet, comme tous les autres domaines de la ville, d'une action permanente de la municipalité. Les questions de développement durable sont d'ailleurs traitées lors des conseils de quartier. En termes de développement durable, les engagements de la ville sont effectués à différents niveaux. Au niveau des travaux, par exemple, comme vous avez pu le constater, pour Malesherbes, il y a une utilisation de matériaux biosources avec des pierres de façade, pas de gaz, mais de l'énergie électrique, la récupération d'eau de pluie. Ça sera la même chose sur le Clos Lainé. On va avoir une cour végétalisée avec des enrobés de couleur claire, avec l'acquisition de nouvelles essences d'arbres pour lutter contre les fortes chaleurs. Il y a un audit énergétique de nos bâtiments qui a été effectué l'an dernier. On a fait appel à un bureau spécialisé pour toutes les ressources énergétiques pour préparer la consultation sur le renouvellement du chauffage. Au niveau des repas scolaires, il y a 20% de bio. On fait appel à des chevaux pour ramasser les sapins. On continue la fête des jardins et les JDDGRR pour la collecte des déchets des Mansoniens. Il y a eu l'implantation d'un verger sur l'île de la commune. Les déchets, on est prêt à payer un peu plus cher pour justement avoir des véhicules propres au niveau de l'agglo. Donc, toutes ces actions démontrent bien que la ville est dans une dynamique de développement durable. Alors, vous le voyez, il y a toute une série d'actions qui sont faites et le développement durable, c'est non-stop, c'est pas... Une commission extra-municipale, à mon avis, s'est dépassée. Et là, c'est quelque chose d'effectif. Alors, j'en viens maintenant à Tania Günther, qui va nous poser sa question. Merci. Monsieur le maire, le guide des bonnes pratiques, appelé Charte de l'arbre, est entre les mains des Mansoniens depuis bientôt un mois. Parmi les nombreuses recommandations, la mairie préconise des élagages raisonnés et la protection des arbres sur les chantiers. Est-ce que vous allez vous donner les moyens de suivre vos propres recommandations
et mettre aussi cette charte entre les mains des promoteurs qui, jusqu'à présent, ne protègent ni systématiquement ni efficacement les arbres et autres végétaux qui doivent être préservés sur ces îlots en évolution. Allez-vous donner l'exemple sur vos propres chantiers et jouer le rôle de gardien de ces bonnes pratiques afin de montrer que cette charte n'est pas qu'un outil de communication ? Et je suis assez étonné que ce que vous dites, parce que vous-même avez pu constater que sur certains chantiers, les arbres sont protégés. Bon, ben, je vais répondre, ça va assez vite, puisque c'est des redites, hein. On s'en reparle constamment. Je vais simplement prendre trois exemples. J'ai pu, par cette charte de l'arbre mise en application, refuser deux dossiers de promoteurs récemment. Et ils ont très bien compris en la matière, ils ne respectaient pas les éléments en question. Nous avons également refusé en cours la construction d'une maison parce que on mettait également un arbre entre deux constructions et une piscine pour pas la nommer. Et enfin, je suis en discussion sur un conflit de voisinage à propos, effectivement, de l'implantation d'un arbre et d'une clôture en l'occurrence. Donc vous voyez, elle marche très bien, elle suit très bien en fonction de son utilisation. Et bien évidemment, je compte maintenant, au lieu de la décrire, que vous alliez l'appuyer et nous aider en pareil cas. Et je vous en remercie par avance. Alors, madame... Vous la mettez entre les mains des promoteurs, monsieur Godet. Madame Théron-Caraudrin, madame, s'il vous plaît, on n'est pas là pour des choses qui ne méritent pas que l'on puisse, je dirais, y passer des heures. Alors, madame Théron... Rien ne mérite dialogue, monsieur le maire, on dirait. Madame Théron, allez-y. Madame Singer, il faut apprendre la discipline. Allez-y, posez votre question. On revient sur le sujet de tout à l'heure, sur lequel je réservais ma question. Donc la question porte sur l'annonce faite par l'ONF de fermer définitivement la route des Pavillons, située à la toute fin de la rue de la Muette, après le centre aquatique. Il s'agit d'un axe routier très fréquenté. Vous évaluez vous-même, monsieur le maire, le trafic à 8000 véhicules par jour. Si cette route était fermée, ce serait l'ensemble du trafic en provenance ou à destination d'Achères, de Conflans ou de Cergy-Pontoise qui serait reporté sur la route départementale 308 à partir de la Croix de Noailles. Je vois qu'on s'entend sur ce point, avec un impact direct sur l'avenue du Général de Gaulle et sur l'avenue de Longueuil. Je vous laisse imaginer l'engorgement, la pollution ainsi que les accidents que notre ville paralysée pourrait connaître. À l'annonce de ce plan catastrophe, vous avez réagi, monsieur le maire, en indiquant solennellement que grâce à votre détermination, cette route ne fermera pas. Je salue le sens de cette intention, puisqu'en effet, cette route ne doit pas fermer. Cette route sert à de nombreux mansoniens et donne de la visibilité aux entreprises implantées rue de la Muette. La rue de la Muette ne peut devenir un cul-de-sac. Mais au-delà des effets d'annonce, comment allez-vous procéder ? Cette route ne peut devenir la propriété de Maisons Laffitte. Elle se situe sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, mais cette dernière n'en a que faire. À titre personnel, je vous encourage à toquer à la porte du département. C'est une solution que vous n'avez pas évoquée tout à l'heure, afin de les convaincre d'acheter cette route. L'impact attendu sur la route départementale 308 devra lui seul suffire à donner du crédit à votre démarche. Allez-vous donc soutenir cette décision de raison ? À défaut, auriez-vous d'autres bonnes idées qui auraient pu m'échapper ? Merci par avance pour votre transparence sur ce dossier. Alors, madame, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je vais simplement compléter en ce qui concerne le département. Il y a déjà quelques années, j'ai écrit au président du département pour qu'il prenne en compte cette route. La réponse a été non, parce que le département a pour objectif de prendre des routes qui sont entre des routes départementales. Or, la rue de la Muette est d'abord un chemin vicinal, c'est-à-dire municipal, et elle aboutit, cette route des pavillons, sur une nationale. J'ai redécouvert ça. Il existe en ce moment en France, il y a la route notamment de la guerre de 14-18 sur les chemins des dames, qui est restée une nationale pour des raisons évidentes. Et il y a celle-ci, la 184. Et donc, j'ai eu un refus du département à ce propos. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis intimement convaincu qu'on va trouver un accord, que chacun va y mettre un peu du sien. Mais simplement, c'est très simple. Je suis convaincu que la ville d'Achères
elle l'a annoncé, la ville de Maisons-Laffitte viendront dans une convention avec l'ONF, mais il faut que l'ONF prenne en compte que, parce que dans leur idée à l'ONF, eux, ils voudraient, je dirais, des travaux dithyrambiques. Eh bien, ce ne sera pas comme ça. Donc, on va se mettre d'accord sur quelque chose de progressif compte tenu des finances qui sont les nôtres. Mais cette route, et je vous répète, ce que j'ai reçu des assurances qu'il n'y aura absolument aucune fermeture de cette route et que si d'aventure certains jouaient les oraux, ils se feraient, je crois, rappeler à l'ordre fermement. Sur ce point précis, je ne l'ai pas dit également tout à l'heure parce qu'il y avait un manque de cohérence selon moi. Les autorités militaires sont intervenues en disant on ne peut pas se permettre cette fermeture. De plus, j'ai regardé et j'ai fait examiner l'ensemble des réseaux qui alimentent le camp Gallieni et y compris le pavillon Gabriel. Alors pour le pavillon Gabriel, il y a de l'électricité qui vient d'Acher et c'était de la SNCF, mais ils ont demandé également à être accordés au réseau d'eau. Pour ce qui est bien évidemment du camp Gallieni, il s'agit d'un camp qui est alimenté totalement dans tous les réseaux possibles et imaginables par la ville de Maisons-Laffitte. Donc il y a, je dirais, et je me souviens quand j'étais encore au département, c'est-à-dire les affaires étrangères, du temps où il y avait une politique étrangère valable, tous les télégrammes disaient « visite d'une délégation générale, une délégation étrangère à la FAR, puisque c'était la force d'action rapide, par une délégation étrangère à Maisons-Laffitte ». Donc, pour nous, le camp Gallieni est effectivement très proche de nos intérêts. Et d'ailleurs, tous les gens qui vont travailler là-bas, parce qu'il y a 600 personnes, arrivent très souvent par la gare ici à Maisons-Laffitte et sont conduits par bus là-bas. Donc, je pense que nous allons y arriver. Et dès que j'aurai un accord, je crois, assez proche, avec le soutien du préfet, je tiens à le dire très fermement, eh bien, je pense que nous en sortirons. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Alors maintenant, on va passer à la litanie, mon cher Philippe, des comptes de gestion. Donc, je te passe la parole et surtout, parle sans t'émouvoir. Bien. Donc, je vous propose d'abord que ce ne soit pas une litanie pour les comptes de gestion, dans la mesure où ce sont, comme vous le savez, les doubles faces, compte administratif, compte de gestion, comptable et administratif, ordonnateur et comptable, et donc de passer très vite sur les comptes de gestion, donc qui, comme vous le savez, reprennent les titres de recettes et les mandats de paiement. C'est donc le véritable débat vient sur les comptes administratifs, qui viendra donc ensuite. Donc, je vous propose pour les comptes de gestion du receveur municipal ville de déclarer que le compte est visé et certifié conforme par l'ordonnateur et donc de l'approuver et puis de faire pareil pour le budget de gestion assainissement, gestion eau potable, gestion eau pluviale et budget Rond Sévigné et parc de stationnement. Voilà, le débat, comme je vous le dis, n'est pas tronqué, loin de là, il viendra sur le compte administratif comme il est d'usage. Voilà. Pas d'objection, adopté. Bien, alors maintenant, c'est moi qui reprends la parole parce que je vais vous proposer, à un moment où je vais sortir de cette noble assemblée, de nommer Brigitte Boiron comme présidente de séance au moment du vote sur le compte administratif. Pas d'objection, adopté. Alors maintenant, nous avons le compte administratif ville, Philippe. Vas-y. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne le compte administratif ville, je vous propose quand même de vous le dérouler un peu, mais rapidement, puisque de toutes les façons, vous en connaissez le contenu assez largement. Et ainsi que vous le savez, il doit être voté donc avant le 30 juin de l'année. Donc, ce qui fait, comme vous voyez, nous sommes assez larges. Donc, c'est un outil effectivement indispensable pour apprécier notre santé financière, ce qu'on met, ça pour les prises de décision. Et évidemment, 2022 aura été marqué par la hausse des prix, les recettes incertaines et au niveau de la ville par des revalorisations du SMIC et points d'indice qui a joué évidemment sur la masse salariale. Donc face à ces contraintes, la ville a travaillé sur plusieurs axes, rénover les bâtiments pour éviter les dépenses ultérieures plus coûteuses, également internaliser le maximum de dépenses possibles et adapter les grilles tarifaires en fonction du coût de chaque service. Voilà. Donc ce document témoigne de notre engagement permanent à nous adapter à un environnement en constante évolution, tout en maintenant le cap stratégique de défense des Mansoniens.
et d'amélioration et d'optimisation de leur qualité de vie avec nous. Donc, au niveau d'abord de la section de fonctionnement, au niveau des dépenses, donc maintenant, ça y est, on dépasse les 40 millions, très légèrement. Le point marquant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la hausse des prix des fluides et des frais de maintenance informatique avec le renforcement des systèmes de protection, notamment contre les cyberattaques. Alors, bien évidemment, le poste le plus important, ce sont les charges de personnel qui atteignent 52%. Donc, effectivement, la hausse des fluides, je vous l'avais dit, ça fait environ 300 000 euros de plus donc par rapport à 2021. Et sinon, il y a tous les points habituels de dépenses, notamment des enfouissements de réseau, par exemple. Donc, nous avons aussi les entretiens de bâtiments. Alors, il y a toujours, donc, vous le savez, on a des services internes qui permettent donc d'agir au plus près des besoins de chacun des endroits importants publics de la ville. Donc, réfection du sol pour le CSC, travaux de toiture à l'école Le Dreux, travaux de remplacement de la pompe de relevage à la crèche Mont-Trésor. Donc, il y en a beaucoup ainsi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est évidemment dans un processus important à tout niveau. Au niveau des impôts, eh bien, ma foi, évidemment, l'augmentation des impôts provient sur 2022 de l'augmentation des bases d'imposition, qui avait été à l'époque de 3,4%. Nous avons également, donc, comme je vous le disais aussi, des dépenses de personnel qui ont augmenté de 6,50% liées à la revalorisation du point d'indice, également à 3 reprises du SMIC, et beaucoup d'agents, donc 233, ont été concernés par des revalorisations successives. Il n'y a dans mon propos, bien évidemment, aucun reproche en cela. Ce sont des augmentations que je trouve tout à fait légitimes, mais qui ont bien sûr entraîné donc une augmentation de ce poste. Ensuite, des facteurs endogènes également, comme au niveau de ce que l'on a créé, l'ouverture du point accès service public au 1er janvier, pour permettre à des personnes qui maîtrisent mal les courriers à faire, par exemple, au niveau public, à pouvoir avoir avec nous un soutien et les aider en ce sens. Également, l'ouverture de la crèche des Coquelicots, très importante, et bien sûr, vous le savez, un recrutement d'agents important compte tenu maintenant des obligations à ce titre. Normal, là aussi. Un poste également à la communication. On était vraiment en effectif très réduit. Et puis, donc, sinon, des revalorisations d'agents, notamment ATSEM ou agents techniques des crèches, qui sont si importants pour le fonctionnement au quotidien, évidemment, de nos établissements. Donc, les subventions aux associations qui restent stables également. Donc, sinon, vous avez toujours le fonds de péréquation, le FPIC, où là, il y a une petite diminution, effectivement, mais qui n'est pas qui est 25 000 euros, et le FNGIR, qui depuis 2014 reste au même niveau de 3 410 000. Les charges financières sont toujours aussi faibles, bien sûr, 0,14% des dépenses réelles de fonctionnement. Voilà donc. Au niveau donc, des recettes réelles de fonctionnement, bien évidemment, le poste principal ne vous surprendra pas, ce sont les impôts et taxes, pour 70%. Les produits des services ont évolué de 17%. Donc, en fait, on retrouve un niveau quasi équivalent à ce qu'il y avait avant la crise sanitaire. On a aussi, bien sûr, des redevances liées à l'utilisation du domaine, des prestations de services également. Et nous avons aussi, on avait déjà en 2022, le départ progressif de l'exonération de la taxe d'habitation qui est compensée donc par le foncier bâti du département et le coefficient correcteur. Sinon, la ville continue de percevoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux non affectés à l'habitation principale. Vous vous souvenez peut-être qu'on a voté une délibération en ce sens. Ça représente quand même 460 000 euros. Donc, les droits de mutation, qui étaient encore de 3,4 millions en 2022, mais qui évidemment vont baisser en 2023. Et l'attribution de compensation, qui est toujours stable à 6,8 millions. Voilà. Et la dotation globale de fonctionnement, qui baisse un peu en raison d'une légère baisse de population. Mais là, on ne comprend jamais trop pourquoi ça baisse ou pourquoi ça monte. C'est un peu curieux. Vous savez que c'est par des ratios, donc c'est toujours un petit peu incertain. Et il y a un effet d'écrêtement aussi. Là, c'est en fonction de la richesse fiscale de la commune et du potentiel fiscal. Au niveau du fonctionnement, donc les points à retenir, c'est ce que je vous disais, l'essentiel du retour à la normalité après Covid, eh bien, c'est qu'on maintient notre niveau d'épargne nette à 14%. Et donc, ça permet de pouvoir envisager avec sérénité nos projets d'investissement à long terme.
Voilà, donc avant reprise des résultats antérieurs, notre section de fonctionnement présente pour 2022 un résultat positif de 4 271 000 euros, à laquelle s'ajoute la reprise des résultats antérieurs pour 6 millions d'euros, soit un résultat de clôture finale pour 2022 de 10 291 000. Et donc qui sera affecté évidemment pour 6 millions à la section de fonctionnement et 4 291 000 à l'investissement. Alors l'investissement précisément, donc nous continuons notre fort rythme d'investissement avec différents éléments. Je ne vais pas tous vous les citer, sinon ça fait beaucoup, mais vous le savez aussi. Bien évidemment, pour le culturel, il y a l'espace culturel Malesherbes, donc comme vous le savez, avec autorisation de programme et crédit de paiement tous les ans pendant 3 ans, sans doute 4 pour terminer. Donc on a également la nouvelle salle de danse, également la mise en place de systèmes de protection incendie sous la charpente de l'église, par exemple. Au niveau scolaire, 270 000 euros pour l'école Colbert, serait de 100 000 euros sur l'électroménager des écoles. Nous avons également au niveau voirie 312 000 euros pour les travaux de l'avenue Mansart, 316 000 euros pour la rue du Fossé, et nous avons beaucoup de choses également à tout niveau aussi. Au niveau de la petite enfance et du social, 536 000 euros, dont bien sûr près de 200 000 euros pour la crèche des Coquelicots, la nouvelle crèche, mais aussi 140 000 euros pour la crèche des Petits Champs. En sport, 1,6 million sur l'île de la Commune, bien sûr 1,5 million avec les tennis couverts, qui est le grand point avec la fin de ce très beau chantier, et également une impression, je trouve, au niveau bâtiment très réussie au niveau de son implantation dans le site. Également aussi au POPD, le remplacement du sol de la salle Omnisport. En informatique, donc je vous le disais tout à l'heure, 180 000 euros pour la poursuite du déploiement de la vidéoprotection. En hippisme, 106 000 euros pour les carrières Molière. Alors, à l'ensemble de ces dépenses d'investissement, on peut aussi ajouter la subvention de surcharge foncière à la SAEM de notre ville, pour 1,1 million pour l'opération du 21-25 avenue Général de Gaulle. Et pour mémoire, mais vous le savez, puisque je le dis toujours, c'est notre façon de payer l'amende des SRU. Donc, si bien que ça profite à Maison Lafitte. Au moins, ça tourne en vase clos. Au niveau du remboursement du capital de la dette, en cours de dette de 98 euros. Au niveau des recettes, donc il y a un détail de principales recettes, c'est le fonds de TVA, le FCTVA, de compensation TVA, calculé sur le montant des travaux éligibles en N-1, donc avec 830 000 euros. Et il est évident aussi que ce montant va augmenter avec les travaux qui ont lieu actuellement, bien entendu, puisque c'est directement lié. Taxes déménagement, les subventions, puisqu'on a encore obtenu les subventions pour le département pour la construction de tennis couverts, 250 000 euros, ou bien pour la participation aménageur avec le promoteur sur l'île Longueuil. Au niveau résultat d'investissement, donc nous avons, avant reprise des résultats cumulés antérieurs, un déficit de 280 000 euros, mais après avoir, disons, repris les résultats cumulés antérieurs, on arrive à 30,2 millions, qui sont bien sûr affectés au financement des investissements 2023 et qui alimentent l'enveloppe grands travaux. Voilà, et donc nous avons un fonds de roulement de 321 jours de dépenses qui sont évidemment, c'est extrêmement élevé. Alors, sinon, vous le savez, il n'y a pas ça dans le compte de gestion, c'est uniquement dans le compte administratif. On met les restes à réaliser, qui ne sont des investissements décidés, mais non réalisés sur l'année, et qui sont donc reportés avec leur autorisation pour l'année suivante. Donc, il y a des restes à réaliser, investissement et fonctionnement. Alors, on a aussi, je vous l'ai dit, la PCP donc, du Centre culturel Malesherbes, hein, qui est annoncé. Et donc, nous avons cet équilibre global que je vous disais tout à l'heure. Donc, avec les 4 millions d'exercices global de l'exercice, 6 millions pour le résultat de fonctionnement reporté, 4,2 millions pour l'excédent de fonctionnement capitalisé, recettes d'investissement. Et l'enveloppe pour les grands projets d'investissement à plus de 23,7 millions. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite. Hein. Non, c'est bien. Alors, voilà. Tu vas présenter également, parce que comme ça, rapidement, les budgets annexes. Et ensuite, j'ouvrirai à la discussion pour qu'on puisse... les budgets annexes qui sont en interface essentiellement avec la communauté d'agglo. Exactement. Alors là, pour le coup, c'est essentiellement des éléments de frais de personnel et en dépenses d'investissement. Donc, pour l'assainissement, par exemple, des travaux de réhabilitation de l'ovoïde rue Guinemer, vous savez ce qu'un ovoïde peut nous coûter au niveau perturbation de la ville quand il y a des problèmes. Donc, il faut évidemment anticiper au maximum pour éviter que ce qui est arrivé rue de la Muette puisse se reproduire à l'entrée du parc. Donc, 275 000 euros de travaux de réhabilitation par l'intérieur.
Nous avons aussi des recettes d'investissement, mais qui sont uniquement liées aux refacturations de la CHGBS. Comme vous le disiez, monsieur le maire, nous avons effectivement ce lien avec la CHGBS dessus. Pareil pour l'eau potable, avec une participation de l'ASP pour 610 euros, oui, là, c'était pas beaucoup, et une refacturation du personnel de 16 000 euros. Et pour la section d'investissement, du renouvellement de canalisation essentiellement et une petite réfection de toiture. Sur les eaux pluviales, pas grand-chose à signaler. Sur le lotissement Ronsévigné, donc quelques taxes, les reprises de déficit de section de fonctionnement. Et en recette, la vente des parcelles H55 et H65 pour 385 000 euros. Et donc, évidemment, en lien, puisque c'est un équilibre permanent, le remboursement de l'avance effectuée à la ville pour 396 000 euros. Voilà. Pour les parcs de stationnement, il y a 275 000 euros de dépenses de fonctionnement, avec essentiellement le forfait annuel d'entretien versé à Indigo et quelques autres taxes. Et dépenses de fonctionnement, des recettes liées aux abonnements et une reprise de résultats antérieurs. Voilà, donc j'en ai fini avec les comptes administratifs. Alors, on va passer à la discussion. Qui souhaite s'exprimer, s'il vous plaît, sur ce... Je tiens déjà à remercier les services parce que nous y avons travaillé beaucoup. Mais comme je le dis à chaque fois, lisez le compte administratif parce qu'il donne une vue tout à fait objective sur la politique de la ville, de notre ville. Allez, qui souhaite s'exprimer? Bon, eh ben vas-y, Nicolas. Va. Je sais ce que tu vas nous dire, mais vas-y. Oui, non, mais c'est, disons que chaque année, la même chose. C'est juste, est-ce qu'on pourra bien séparer le vote entre, d'un côté, le compte administratif ville et les comptes annexes, parce que ayant voté contre le budget... Oh là là. Je disais, comme chaque année, est-ce qu'on pourra juste séparer le vote entre ce qui est le compte administratif ville et les annexes? Comme on le fait habituellement, parce qu'ayant voté contre le budget ville, je m'abstiens sur le compte administratif ville. Voilà. Oui, non, mais de la même manière, en fait, par exemple, on a fait tous les comptes de gestion d'un coup, et c'est juste voilà, qu'on ne fasse pas tous les comptes administratifs en un seul bloc. C'est juste ça. Et ensuite, la seule remarque, mais c'est vrai que, disons que c'est toujours dommage d'avoir le compte administratif après... Après le débat sur le budget, qui est celui finalement qui est le plus débattant, on va dire, parce que c'est vrai que, comme vous venez de le dire, monsieur le maire, le compte administratif montre un peu la manière dont la ville a utilisé le budget qui a été voté. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un bon outil pour l'analyse du budget suivant, comme on avait pu l'avoir en 2021, où on avait eu à la fois les comptes administratifs et le budget primitif, par exemple. Alors, je vais vous répondre, Nicolas, parce qu'on est en public ici, donc on se voit alors qu'on se tutoie hors les caméras ici présentes. Alors, que ça soit très clair, les comptes de gestion, c'est totalement quelque chose établi par la DGFiP, le comptable, et donc il n'y a rien à dire, c'est nickel. Et il nous dit simplement que c'est conforme à nos comptes. Bravo, il n'y a pas de hiatus. Bien. Mais ça demande un travail au quotidien pendant toute l'année pour gérer correctement, conformément à la nomenclature financière. Pour ce qui est ensuite des comptes administratifs, bien évidemment qu'il va y avoir des votes séparés. Bon, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce n'est pas utile de ce côté-là. Je dirais... C'est comme ça que ça doit se faire et Brigitte Boiron le fera dans quelques instants. Y a-t-il d'autres remarques? Madame Lavagne, allez-y. Donc, c'est vraiment dommage, en effet, qu'on n'ait pas voté ces comptes administratifs en avril, puisque là, on aurait pu avoir un débat plus serein en avril sur l'enveloppe pour les grands projets d'investissement pour la ville. Voilà. Alors certes, vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire, mais ce serait bien que pour les prochaines années, ce soit au mois d'avril en même temps que le budget. On constate un sous-investissement chronique, mais ça on rejoint le débat du budget, hein, c'est pour ça que ça n'a rien de s'éterniser à un moment donné. Un sous-investissement chronique, ou quand on vous parle de faire certains travaux de quelques dizaines de milliers d'euros, vous nous dites oh ben, on n'a pas les moyens, et on dégage 23,7 millions d'euros
On vous posait la question au moment du budget, à quoi vont servir ces 23,7 millions d'euros? Vous me disiez, mais c'est pour les grands projets, Malesherbes, salle de danse, mais ce que je vous disais, c'était qu'il y avait quand même, l'argent était déjà prévu, ça c'était bien en plus. Et on le voit bien pour maintenant avec les 6 millions pour l'hippodrome. Et donc c'est, voilà, c'est le même sujet que par rapport au budget. Un manque d'investissement et la transparence au moment des comptes administratifs. Donc une demande que l'année prochaine, même si j'ai conscience que c'est un gros travail pour les services, que nous ayons en même temps les comptes administratifs et le vote du budget. Lavagne, le jour où vous apprendrez comment ça fonctionne une ville, vous viendrez nous le dire, monsieur. Et le jour où vous arrêterez de mentir, ça répondre. Faut vous calmer, vous savez aussi, madame. Ça, c'est pas bon pour votre santé, ces éruptions, là, comme ça. Alors, Franck. Oui, madame Lavagne, ben, je sais pas, vous affirmez des choses comme ça, au doigt mouillé, vous parlez de sous-investissement chronique, comme ça, en l'air. Et donc, comme c'était un petit peu prévisible, vous êtes un petit peu prévisible. Je me suis amusé un petit peu avant le conseil à regarder un petit peu, non pas sur un ou deux exercices, les dépenses d'investissement de notre commune comparativement à celles voisines. Et vous pouvez aller vérifier, c'est le site du gouvernement, donc on m'accusera pas d'un quelconque prisme. Et figurez-vous que sur les 22 exercices budgétaires qui viennent de s'écouler, ou plus exactement entre 2000 et 2021, puisque les chiffres ne remontent pas au-delà, la commune de Maisons-Laffitte a des dépenses d'équipement de 462,5 euros par habitant. Comparativement à Chatou, c'est 319,5, le Vésinet 412, Sartrouville 365. Voilà, donc j'ai pas été plus loin, j'ai pris vraiment quelques communes voisines, mais je voulais simplement pointer du doigt ce discours comme ça, au doigt mouillé, selon lequel il y aurait des sous-investissements à Maisons-Laffitte, ce qui est absolument faux. On est au contraire dans le haut de la fourchette concernant les communes de la même strate. Chose, madame Lavagne, vous venez de dire, vous nous refusez des investissements, ici 10 000 euros, etc. Chaque fois, et notamment en matière de sécurité, que je suis saisi de la nécessité d'investir, on ne mégote jamais. Donc, il y a un moment... Ce n'est pas de cette manière que vous allez pouvoir assurer votre crédibilité dans des propos, je dirais, lancés comme ça à la cantonade. Ce que vous dites est faux. Voilà. Alors, Non, mais attendez. Allez-y. Le rôle de la ville, c'est en effet sécurité, mais aussi améliorer les conditions de vie au sein de la ville. On n'y pense jamais, améliorer les conditions de vie. Mais comment pouvez-vous dire ça? Mais c'est quand même incroyable. Comment pouvez-vous dire ça qu'on n'est pas, alors qu'on met en place, et ça a été dit par tout à l'heure, un point d'accès, que nous développons les crèches, absolument, améliorer les conditions de vie. Mais comment pouvez-vous dire des âneries pareilles? Je n'ai pas dit que rien n'était fait. Mais si, écoutez, madame, il y a un moment, vous devriez, avant de parler, tourner votre langue 10 fois dans la bouche. Pas 7, 10 fois. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Allez, monsieur Drol, allez-y. Oui, sur l'éclairage public, on a évoqué en commission, et on en a parlé ici plusieurs fois, et on a évoqué en commission l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un plan pluriannuel et d'avoir une idée de combien il y a de luminaires, combien ont été passés en LED, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qu'on prévoit de faire en 2024-2025, enfin, qu'on ait une idée dans le temps de ce qu'on va faire et de ce qu'on va investir. Merci de votre question, qui est effectivement factuelle et contractuelle. Il semble avoir déjà... Attends, un instant, Claude. Oui. Je voudrais juste rappeler que nous avons, lorsque je suis arrivé ici, aux commandes de cette ville, l'un des adjoints anciens disant « Vous allez avoir un gros ouvrage, c'est la réfection totale de l'éclairage public », ce qui a été fait. Hein, et ça a duré une vingtaine d'années. Ça ne s'est pas fait au doigt mouillé. Mais il nous faut maintenant continuer, notamment... Vas-y, Claude. Donc, on a... Aujourd'hui, un peu plus de 3000 points en éclairage. 10% sont en LED. Et
j'ai envisagé avec des prestataires justement un plan sur 2, 3 ou 5 ans pour changer la totalité de notre éclairage et le passer en LED. Et d'autres remarques, Madame Théron. Je voudrais justement rebondir sur le sujet de l'éclairage public. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas inscrit au plan 2024 de travaux d'enfouissement de câbles électriques, justement, alors que ça l'a été fait précédemment rue du Fossé et dans d'autres rues. J'aimerais savoir pourquoi on s'arrête sur ces chantiers-là, pourquoi on ne continue pas de plus belle, parce qu'on en a vraiment besoin. Et surtout, ça permet de préserver de belles vues. Vous savez, vous êtes très friands dans le parc, notamment des alignements. Voilà, et ça fait aussi la richesse de notre identité culturelle. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Tant plus raison qu'effectivement, simplement, les sommes sont énormes et nous allons continuer. Mais à chaque fois que nous le pouvons, nous enterrons les réseaux. Alors, cette année, on a commencé sur la rue Gallieni, mais on n'a pas fait la totalité. On reporte cet engagement sur l'année prochaine. C'est des arbitrages budgétaires qu'on a fait sur différents travaux. Donc, on ne va pas arrêter l'enfouissement, on va le continuer. Mais il y a une pause cette année en 2023. Éclairage public, j'ajoute une chose qui n'est pas corrélative à ce que nous venons de dire sur les investissements, mais qui est nécessaire, c'est que bien évidemment, je me suis refusé à éteindre l'éclairage public la nuit. Et je peux vous dire que je m'en félicite parce que malheureusement, c'est une condition sine qua non de la sécurité et que si l'éclairage public avait été fermé, comme certains me le demandaient, je peux vous dire que la responsabilité de la ville serait engagée, ce qui, heureusement, n'est pas le cas. Mais il faut savoir que malheureusement, et vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a parfois des agressions qui sont commises la nuit. Bien, madame, allez-y. Alors, tout d'abord, merci pour ces réponses qui montrent le besoin d'investissement. Mais j'ai une question précise sur donc un achat en 2022. Donc, la ville de Maisons-Laffitte a racheté la part du Ménil-le-Roi sur l'espace jeunesse. Que va devenir l'espace jeunesse? Est-ce que ses fonctions vont évoluer? Oui, les fonctions vont évoluer. Nous sommes en train d'y travailler. Et Anne Bailly, Arthur n'est pas là ce soir parce qu'il est retenu pour des raisons professionnelles. Nous sommes en train d'y travailler et de faire évoluer la politique jeunesse vers beaucoup plus par une sorte d'administration de mission. Et c'est en cours. Donc, on vous en reparlera, mais bien évidemment, ça prend du temps parce qu'il faut changer un certain nombre d'errements en vigueur et il faut aussi que le personnel accompagne ce mouvement. Donc, ça, c'est évident que ça. Tu veux dire quelque chose, Anne, à ce propos sur la politique jeunesse? Ben, mets ton micro. Je pense qu'on pourra développer quand on sera un petit peu plus avancé sur le sujet, mais il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se passer et on vous en dira plus ultérieurement. Je voudrais quand même répondre sur un point précis, parce que j'ai entendu dire on n'avait pas le compte administratif au moment du vote du budget. On a des éléments. Il était dit d'ailleurs dans le ROB qu'il y avait un certain nombre, on sait qu'on va vers cette vision. Il y a eu la mise en place cette année de la M57, ne l'oubliez pas, qui a demandé un long travail à l'ensemble des services, et donc c'est ça. Mais de toute façon, je vois au niveau de l'agglo, ça s'est passé de la même manière. C'est-à-dire qu'on a commencé par voter un budget sans la reprise du compte administratif. Et on va passer maintenant une DM, une modification du budget qui va passer au prochain conseil de jeudi. Donc on est tous dans le même cas. C'est que pour avoir tous les éléments du compte administratif, c'est un lourd boulot pour les services et savoir tout ce qui va rester dans le budget, tout ce qui va être en reste réalisé. Donc nous sommes comme les petits camarades. Il faut cesser de dire qu'on aurait dû l'avoir au moment du vote du budget. On avait des éléments au moment du vote du budget, notamment sur les provisions importantes que nous inscrivions et qu'on retrouve ici. Et bien sûr, ça s'arrête au 31 décembre 22. Bien, mais écoutez, moi je vais sortir et je vais demander à Brigitte Boiron, je vous remercie, parce qu'on va avancer, de voter. Et pour l'instant, je vais aller me laver les mains.
Donc, nous allons prendre les comptes administratifs les uns après les autres. Je vais vous demander d'approuver le compte administratif de la ville de l'exercice 2022 que vous avez en annexe. Donc, qui est contre? Donc, 7 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Donc, pour le compte administratif pour la gestion de l'assainissement, je vous demande d'approuver le compte administratif de l'exercice 2022 pour l'assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pour le compte administratif de l'exercice 2022 pour la gestion de l'eau potable, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pour le compte administratif de l'exercice 2022 de la gestion des eaux pluviales, qui s'abstient? Qui est contre? Pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je ne comprenais pas pourquoi vous ne réagissiez pas. Pour le compte administratif 2022 pour le rond Sévigné, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, pour le compte administratif de l'exercice 2022 pour les parcs de stationnement, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Oui, c'est bon, venez. L'État, c'est la DGFiP. Et dès qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'on a parfois des... On discute avec eux, mais c'est nickel. Je veux dire, c'est quelque chose... c'est une administration qui sait travailler malgré un certain nombre de coupures dans ses effectifs. Voilà. Alors, maintenant, M. Bouvier lui-même, il va nous parler, donc... et merci, voilà. Alors, je passe maintenant. Il faut que j'arrive. Je suis au point combien? 17. Voilà. Alors, c'est l'affectation des résultats. Vas-y. Oui. Donc là, pas de surprise, puisque c'est exactement identique à ce qu'on vous avait dit lorsqu'il y a eu le vote sur l'autorisation des 25% des dépenses. Donc, au niveau de l'affectation des résultats budget ville, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un résultat de fonctionnement excédentaire de 4 291 avec le résultat antérieur qu'on augmente de 6 millions, soit un résultat cumulé de 10 291. Et pour la section d'investissement déficitaire de 280 000 euros, en ajoutant le résultat antérieur de 30 512, un résultat cumulé de 30 230 000. Donc, reprise au compte R001 de l'excédent d'investissement de 30 230 000, ainsi que des restes à réaliser, 2 700 000 en dépenses, 4 600 000 en recettes, l'affectation au compte 1068 de 4 291 000 pour le financement d'investissements futurs, et l'affectation au compte R002 en section de fonctionnement du solde du résultat de fonctionnement, soit 6 millions. Pas d'objection, adopté. Alors, on poursuit. Par le budget du rond Sévigné, avec un résultat de la section de fonctionnement excédentaire de 51 000 euros, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur déficitaire de 160 000 euros, soit un résultat cumulé déficitaire de 110 000 euros. Et un résultat de section d'investissement déficitaire de 70 000 euros, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur de 136 000 euros, soit un résultat cumulé excédentaire de 67 000 euros. Donc, je vous demande de voter la reprise au compte R001 de l'excédent d'investissement de 67 000 euros et l'affectation au compte D002 en section de fonctionnement du déficit de 110 000 euros. Pas d'objection, adopté. Et nous passons au budget des parcs de stationnement avec un résultat de section de fonctionnement déficitaire de 84 000 euros auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur excédentaire de 786 000 euros, soit évidemment un résultat cumulé de 702 000 euros. Et un résultat de section d'investissement excédentaire de 46 000, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur déficitaire de 30 000 euros, soit un résultat cumulé excédentaire de 15 000 euros.
Et donc, je vous demande de voter la reprise au compte R001 de l'excédent d'investissement de 15 921 euros et l'affectation au compte R002 en section de fonctionnement du résultat de fonctionnement de 702 000 euros. Pas d'objection. Adopté. Alors maintenant, au point 20, le budget ville, une DM qui explique pas mal de choses. À toi, mon cher. Au passage, pour l'affectation des résultats, il n'y en avait pas évidemment sur les autres budgets annexes, puisque c'est vu au niveau de la CRGBS. Voilà. Bien. Allez, alors maintenant, sur la DM, le budget ville, exercice numéro 1. Voilà, notre première décision modificative en section de fonctionnement, donc charge à caractère général. Il y a d'abord 171 000 euros pour le CHML. Comme vous le savez, le montant inscrit au budget primitif, c'était pour les 8 premiers mois de gestion. Et on prévoyait en septembre une reprise de la DSP. Évidemment, la procédure de passation n'ayant pas abouti, il convient d'inscrire les crédits nécessaires pour l'année de gestion entière. Également, 20 000 euros pour l'entretien et réparation sur des terrains, notamment sur l'acquisition de la partie verdure de l'hippodrome et sa gestion par la ville. Ça peut être, par exemple, des robinets qui fuient ou des choses comme ça et qui peuvent alimenter le golf. Ça, c'est un exemple de frais. Également, 24 250 euros pour des prorata de convention inclus dans le projet global d'acquisition par la ville. 73 000 euros pour les autres prestations extérieures. À noter, 48 000 euros pour un contrat de prestation avec un cabinet de conseil spécialisé dans la récupération au titre du fonds de compensation de la taxe sur la TVA. Le cabinet se rémunère sur son gain global plafonné. Voilà, donc, il est motivé. Et s'il n'y a pas de recette récupérée, il n'a rien. 25 000 euros de diagnostic pour la partie verdure, ainsi que les classiques. 68 000 euros de prorata de taxe foncière pour la partie verdure. Bon, là, ça tourne en boucle, puisque ça revient vers la ville, hein, de toutes les façons. Et 81 000 euros pour le prorata de taxe ASP, qui, là, évidemment, ne revient pas à la ville. Virement à la section d'investissement de 360 000 euros, de façon ensuite à atteindre les 76 360 euros, point d'équilibre. Donc, avec 50 000 euros pour les produits des services, donc c'est le CHML, c'est la réciproque des 8 mois sur les 12 mois, de l'autre côté en recettes. Pareil pour les autres produits de gestion courante, donc avec 26 000 euros. Donc, équilibre à ce niveau sur plus 76 000 euros. En section d'investissement, on a donc les immobilisations corporelles, et à ce titre, 5 930 000 euros, qui correspond au prix d'acquisition de la partie verdure de l'hippodrome par la ville, équivalente à l'estimation des domaines de 5 864 255 euros, augmenté des frais de notaire, montant arrondi à 5 930 000. Et également, l'immobilisation en cours, moins 6 148 000, c'est l'enveloppe prévisionnelle qui est diminuée pour les grands travaux du mandat pour financer l'acquisition d'une partie de l'hippodrome par la ville. En recette, donc, les subventions d'investissement, avec la notification de la subvention de la région pour les travaux au parc des sports, le terrain de foot synthétique, encore une subvention de la région, et on l'en remercie, comme pour les tennis couverts. Le virement de la section de fonctionnement avec la diminution de l'autofinancement. Et donc, nous vous demandons d'apporter au budget primitif les modifications correspondantes à ces différents éléments. Bien. Allez, j'ouvre la discussion. Qui souhaite s'exprimer? Oui, monsieur Jovanidovic. Oui, au sujet du chapitre 21, ça interroge sur votre rapport au budget. Parce que moi, je lis une de vos déclarations. Vous nous dites dans l'Express, il y a quelque temps, que l'achat de l'hippodrome, je vous cite, n'aura aucune incidence sur les finances de la ville. Je cite une déclaration que nous avait fait parvenir François Dreuil aujourd'hui, qui date du dernier conseil municipal, où Madame Géin vous interrogeait sur le coût de cet achat, et vous nous dites, je cite, « Ce n'est pas la ville qui va supporter, c'est l'EPFIF qui va supporter ». Donc la question est simple, lors du dernier conseil municipal et dans vos dernières déclarations, ça ne coûtait rien à la ville. Aujourd'hui, on voit que ça va coûter un peu plus de 6 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à cela? C'est très simple. Ce que j'ai déclaré, c'était bien évidemment que c'était l'EPFIF qui portait, mais qu'il y a une sortie à l'EPFIF. Et nous avons voté ici une convention qui fait qu'il y a une sortie et que la ville doit, je dirais, venir dans l'achat de ce bien. Deuxièmement, ce que j'ai dit surtout, c'était en matière de fonctionnement. Les 100 000 euros que nous avons votés pour la société d'écos hippique de Maison Lafitte, c'est en fonctionnement. Ici, c'est un achat pour la ville. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est incongru et qui est nécessaire pour pouvoir continuer
à, parce que il y a, vous le savez, il y a les tribunes sur lesquelles il va y avoir un tour, il y a un tour de table qui est en cours de constitution, et il y a ensuite la verdure. Alors, je vous rassure, sur la verdure, nous allons avoir les concours également du département et de la région. Donc, ça va venir en appoint. Il s'agit là d'un bien patrimonial. Et donc, il est bien évident que la ville ne peut pas s'en laver les mains et que je maintiens que c'est une bonne chose que la ville achète la verdure. Voilà. Alors, Madame Lavagne, allez-y. Faites pas des sourires, ça ne sert à rien. Alors, du moins important au plus important, est-ce que vous pouvez nous donner des explications, s'il vous plaît, monsieur le maire, sur les 12 155 euros de convention, sur les 14 205 euros de convention pour la partie verdure? Et le troisième point, je me souviens de nos échanges lors justement de l'adoption de la convention avec l'établissement public foncier de l'Île-de-France, où je vous avais fait part justement de l'obligation de la commune de racheter ensuite, et vous m'aviez invité à prendre des cours du soir. Je m'aperçois que donc ma lecture était exacte. Philippe va vous répondre. Oui, sur la première partie, donc au niveau effectivement des petites sommes que vous voyez là, ce sont des comptes prorata. C'est-à-dire qu'en fait, comme quand on achète un appartement ou une maison, il y a la partie EDF ou foncière, et donc on remet avec des comptes prorata dans un sens et dans l'autre, selon celui qui l'a payé en totalité, qui la redonne à l'autre ensuite. Donc ce sont des jeux de comptes prorata. Voilà. Pour votre seconde partie de question, en toute franchise, je n'ai pas été hyper attentif. Attendez. Mais non, mais ça peut être par exemple pour l'eau, ça peut être pour l'électricité, ça peut être. Ce sont les comptes prorata classiques, si vous voulez. Les charges classiques, hein. Et les conventions existantes. La seconde partie, je n'ai pas entendu. Reposez votre question, Madame Lavagne. On ne vous a pas compris sur la deuxième question. La deuxième question, je n'ai pas été assez attentif. Mais mes deux premiers points, c'était l'explication des autres produits de gestion courante. Il est question de conventions. Et je me demandais, c'était quoi ces conventions? Donc là, vous venez de dire que c'est l'eau, l'électricité. Voilà, OK. Également l'ASP, par exemple. Typiquement, c'est dedans. Oui. Bien. Bien, madame. Non, je crois pas. C'est bon. C'était pas, mon troisième point n'était pas une question, c'était un rectificatif. Très bien. Bien, merci. Madame Théron. Merci. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez évaluer le coût de remise en état de la piste de l'hippodrome? Et la seconde question, c'est sur les 48 000 euros de rémunération du cabinet de conseil, donc un cabinet privé, pour récupérer du fonds qui est de l'État, hein, le fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA. C'est juste que je trouve ça quand même assez étonnant. Alors, je pense que Maison Lafitte n'est pas le seul cas, hein, dans l'Île-de-France, mais que finalement, la ville ait besoin d'un prestataire externe pour récupérer des fonds de l'État. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que je pense qu'on a les compétences en interne et que ça ne me semble pas forcément nécessaire d'aller rémunérer des organismes comme ça. Si les techniques de l'État pour récupérer des fonds étaient simples, ça se saurait. Premier point. Deuxième point, c'est beaucoup plus lourd que vous ne pensez. Et au niveau des services, vous savez qu'actuellement, nous sommes en flux très tendu. Et donc, ce cabinet qui exerce aussi à Sartrouville, qui exerce aussi à Saint-Germain-en-Laye, qui exerce aussi à Chatou, qui exerce aussi au Vésinet, et donc dans toutes les communes de l'agglo, a, disons, une utilité évidente pour nous. Et ça permet de libérer pour faire d'autres choses aussi. Donc, c'est lié aussi à la difficulté que l'on a d'avoir dans la ville l'ensemble des compétences possibles. C'est très, très dur de recruter. Et là, je peux vous assurer que le service finance est vraiment très, très en flux tendu. Je vous assure. Bien. Et ils ne sont pas payés s'ils ne ramènent rien. Donc, de toutes les façons, c'est assez juste comme négociation vue avec eux. Justement, c'est parce qu'au travers des commissions, on a pu voir la compétence des services financiers. Donc, je sais qu'ils les ont. Mais c'était simplement le paradoxe, vous voyez, que pour récupérer des fonds de l'État, alors je ne sais pas à qui il faut jeter la pierre, hein, je ne dis pas forcément que c'est les communes, mais c'est quand même un paradoxe que les villes soient obligées de passer par un prestataire externe pour récupérer des fonds de l'État qui leur sont dus, normalement. Voilà. C'est vrai, mais regardez par exemple pour tout ce qui est FNGIR, fonds de péréquation, DGF et tout, franchement, je ne veux pas dire non plus que c'est simple pour l'État, hein,
mais c'est extrêmement complexe au niveau de l'État. Alors, deuxième partie, Laval, la question, excusez-moi. Pardon ? Attendez, c'est bon. La première question que je vous posais était sur l'hippodrome. Je vous demandais, monsieur le maire, si vous étiez en capacité d'évaluer ou nous donner un chiffre à date de la remise en l'état de la piste. Ça fait partie de ce que va notamment négocier, lorsqu'on sera prêt, la SHML avec des spécialistes. Ce n'est pas neutre, voilà. Mais on pense y arriver à ce titre, voilà. Mais pour l'instant, c'est trop vague pour pouvoir avancer des chiffres. Mais il y aura des nécessités pour que cette piste soit rénovée par des experts qui vont arriver sur le site. Voilà. Autre question avant qu'on passe au vote, madame. Ce que je ne comprends pas, on a parlé en commission, hein, pourquoi deux mois après l'adoption du budget, Charles Genevenuchet en parlait, vous nous demandez une décision modificative à hauteur de 5,9 millions, alors que vous n'avez rien mis dans le budget. J'ai du mal à croire qu'il y a deux mois, vous ne pouviez pas rien estimer en termes de montant. Inexact ce que vous dites. Dans l'Europe, il y avait une phrase à ce propos, et également parce que je vous rappelle que le processus d'acquisition par l'EPFIF vis-à-vis de France Gallo est intervenu le 28 mars. Bon, et que nous avons voté et que nous n'avons pas tous les éléments pour l'inscrire au budget. Mais c'est pour ça qu'on a fait une DM. Mais tout était prévu dès l'Europe. Il y avait une phrase dans l'Europe à ce titre sur justement ce qui pourrait se passer sur l'hippodrome. Alors, monsieur le maire, pourquoi quand on vous a posé des questions lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget sur l'enveloppe pour les grands budgets, sur l'affectation, vous nous répondiez de façon imprécise sans mentionner l'hippodrome, que vous avez dit à maintes reprises que ça ne devait pas coûter un centime, et là, on nous demande aujourd'hui de sortir 5,9 millions. Excusez-moi, je comprends pas. Je regrette que vous ne preniez pas, parce que la provision qui était inscrite dans l'Europe et dans le budget sont nécessaires à ce titre. Deuxièmement, nous n'avions pas tous les éléments pour pouvoir chiffrer exactement les coûts. Les coûts, pour rien vous cacher, qu'on va soumettre dans la prochaine délibération sur l'achat de la verdure, ont été arrêtés il y a encore quelques heures. Donc c'est extrêmement complexe, notamment sur les problèmes de TVA. Donc, ce n'est pas que par manque d'information, c'est tout simplement que les choses, se développent au fur et à mesure que l'ensemble des actes qui nous permettent d'acquérir sont calés. C'est aussi simple que ça. Madame Singer. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une raison pour ne parler de rien deux mois plus tôt, même si tout n'est pas calé? Madame Singer, relisez l'Europe. Peu importe. Tout est dit. Il y a une phrase qui le dit explicitement. Yeah. Quelle est cette phrase ? Je suis désolé, c'était dit. Et donc, je trouve que ça pinaille pour rien du tout. Madame Théron. Une question, est-ce que vous savez à peu près dans quelle proportion ces coûts, notamment préparatoires, suite à l'achat de la verdure pour la remise en l'état des équipements et des espaces, seront refacturés au CHM, la société de course que vous avez créée? Alors, c'est tout le problème. Il faut que la société des courses ait des recettes et que là encore, elle va avoir un certain nombre d'éléments, elle va avoir des recettes. Nous sommes en train d'y travailler. Mais pour l'instant, elle n'est pas titrée, donc il y a encore un certain nombre d'évaluations effectuées. Elle recevra également, bien sûr, de la part de France Gallo, à partir du moment où elle a calé la reprise des courses, elle recevra de France Gallo un certain nombre d'attributions pour pouvoir piloter. Et après, bon, nous avons une idée assez précise en ce qui concerne le personnel, puisqu'on fait des économies, parce que nous n'appliquons pas la convention France Gallo, et il y a toute une série de recettes qui vont venir abonder le budget de la société des courses. Voilà. Donc, excusez-moi, vous allez bien refacturer une partie de ces coûts à la société? La société doit être autonome. Elle aura des recettes et c'est elle qui nous montrera son budget. D'où la nécessité de mettre en place un système qui lui permette de recevoir un certain nombre de recettes. C'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Oui.
Excusez-moi, en charge, elle aura bien le coût d'un loyer, quelque chose qu'elle paiera à la ville. À ce que l'objectif que nous avons, c'est qu'elle reçoive effectivement l'emphytéose dans des conditions qui soient celles qui est l'objectif de la ville, à savoir la reconduire les villes. Là. Donc il n'est pas question que l'on lui fasse payer un loyer dithyrambique, pas du tout. Et donc de ce côté-là, c'est tout dans l'emphytéose que nous allons caler les rapports. Je rappelle que la ville demeurera, puisque une emphytéose c'est certes un droit réel, mais elle demeurera à terme propriétaire du site. Je pense que, madame, on va passer au vote. Non, vous avez déjà posé toutes vos questions, et je suis désolé, il y a un moment, vous préparez correctement les conseils. Quand vous dites société de course titrée, qu'est-ce que vous entendez par là, concrètement? On vous le dira en temps et en heure. Merci. Je passe au vote. Maintenant, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. On avance. Pardon? Attends, écoutez, je suis désolé, il fallait vous lever plus tôt. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne suivent pas les débats? Bon, donc vous vous abstenez. Très bien, à l'unanimité. Merci. On avance. Alors, maintenant, nous avons, je pense que c'est entre Mourc et Philippe pour la taxe de séjour. Vas-y, Philippe. Oui, donc je vais la prendre. Oui. Voilà, donc il y a un Charles et un Philippe, et donc c'est un Charles-Philippe qui va la prendre, celle-là. Donc, l'objet de cette délibération est simplement de fixer donc, les modalités d'application de la taxe de séjour, valeur 2024. Je rappelle que sur ce sujet, nous suivons ce qui est voté dans le cadre de la loi de finances. Précédemment, il faut indiquer que ces augmentations qui sont définies donc, selon un barème publié en même temps que la loi de finances, l'année dernière, était de l'ordre de 2,8%. Cette année, on est sur plus 5% avec une surmajoration de plus 15% pour financer la Société du Grand Paris. Je compléterai simplement en indiquant que ces augmentations sont calées sur l'indice des prix à la consommation. Allez, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On avance. Merci. Alors, maintenant, j'en viens aux bourses d'études, Marie-Liès. Alors, pour l'année scolaire 2022-2023, 31 bourses ont été attribuées. En 27 en 2021-22, 29 en 2020-2021. Il vous est proposé de reconduire l'attribution de ces bourses pour l'année 2023-2024, d'augmenter le montant des allocations ainsi que le montant des quotients familiaux de 4%. Ce qui passerait, le quotient familial passerait à 702 et le montant des bourses 251 pour les collèges et 564 pour le lycée et au-delà. De fixer les conditions d'attribution de la façon suivante, être domicilié à Maison Lafitte et suivant un enseignement secondaire ou supérieur dispensé par les établissements publics ou privés reconnus par l'État, être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre de la rentrée universitaire. Et les résultats de l'année scolaire précédente constituent un élément d'appréciation à la demande. Ils doivent justifier d'un travail régulier et satisfaisant. Les personnes de nationalité étrangère doivent apporter la justification de leur autorisation de séjour sur leur territoire français. Bien. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Ljubenovic. Oui, la fin. Allez, vas-y. Coupez votre micro. C'est bon. En fait, ma question porte sur le taux d'actualisation. Pourquoi 4%? Parce que quand on regarde, les salaires n'ont pas forcément énormément augmenté, donc on peut comprendre l'histoire du quotient qu'on augmente de 4%. Mais c'est vrai que le coût de la vie, lui, a un peu plus augmenté. L'inflation était à 5,5 l'année dernière. Et donc pourquoi finalement avoir choisi un taux de 4% pour l'augmentation du montant de la bourse? Nicolas, je suis tout à fait d'accord que, bien sûr, l'inflation est peut-être légèrement supérieure, mais je rappelle que nous, notre budget, justement, cette année augmente un peu plus, mais 4%, c'est ce que nous avons appliqué sur un certain nombre de tarifs. Voilà, donc on se tient à cette... Je comprends bien, mais pourquoi 4%, justement? Parce qu'on a décidé que c'était 4%. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Faut pas croire. Il y a un moment, il faut trancher. Qu'est-ce qui t'arrive ? À un moment, il faut trancher. Voilà. Et on va voir comment ça vit. Et s'il faut revenir pour essayer d'aider un certain nombre de familles et d'élèves, on n'hésitera pas, parce que je pense, et puis comme il se doit, si ça se trouve, d'ailleurs, c'est corrélé à ce qui se passe à d'autres subventionnaires de subventions que doit être l'État et peut-être le département pour un certain nombre de choses. Mais ça, je ne sais pas complètement. Bien, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, maintenant, j'en viens au point 23 en chiffre romain, M. Conneau, tarif location des équipements sportifs. Hop, papa, c'est Charles, oui. C'est Charles Philippe, pardon. C'est pas, voilà, mais ça, c'est une erreur. Allez, on y va. Allez-y. Donc, la présente délibération vise à mettre à jour les tarifs de location des équipements sportifs qui, comme il est rappelé en préambule de la délibération, sont réévalués chaque année pour suivre l'évolution des prix. Et il est proposé cette année d'appliquer une actualisation des tarifs de l'ordre de 4%. Précisons que cette indexation est inférieure à l'indice d'évolution des prix qui est de 5,9%. Précisons également, comme cela a été indiqué dans le cadre de la commission des sports, que c'est pour les associations de la ville, ces tarifs sont appliqués seulement hors des créneaux habituels, ce qui veut donc dire que pour les fêtes des sections annuelles, les fêtes annuelles ou éventuellement les compétitions fédérales, il n'y a pas de demande qui sera faite. Ces règles, je tiens également à le préciser, sont connues des associations et, en tout état de cause, lors des demandes de réservation d'équipements qui peuvent être faites auprès des services par les associations, sont précisées, rappelées, si toutefois, selon le motif de réservation de la salle, cela venait à sortir des clous et donc conduire les associations de la ville à se voir appliquer les tarifs qui sont évoqués. Y a-t-il une remarque ? Oui, Madame Lavagne. Monsieur le maire, nous avons déposé un amendement. Ça va mieux, toujours mieux en l'écrivant. Nous avions eu ces précisions à l'oral, en commission, vous nous le redites, mais ce n'est pas inscrit dans la délibération que ces tarifs s'appliquent hors des créneaux habituels hebdomadaires et hors compétitions organisées dans ces salles. Donc il vaut mieux l'écrire dans la délibération, et comme ça il n'y aura aucune ambiguïté et aucune difficulté. Alors, madame, parce qu'il y en a eu par passé. Merci. Je vais vous rappeler un certain nombre de choses. Dans le jugement du tribunal de Versailles, tribunal administratif, où vous êtes, tous vos points ont été effectivement retoqués. Il y a un passage intéressant au point 8. Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. C'est notre règlement intérieur et la loi. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative du Code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte, ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux. Je voudrais quand même vous rappeler ce qui vous a été écrit par le tribunal administratif. Donc, en conséquence, vous allez présenter et je vous dis que ce que vous dites, c'est superfétatoire, parce que c'est ce que nous appliquons, et je vous rappelle que normalement, vous n'avez pas de droit d'amendement. Alors, je passe maintenant... Alors, tout d'abord, nous avons le droit d'amendement, parce qu'il est dans le règlement intérieur, et de nombreuses autres collectivités le font. Alors, écoutez, vous allez exposer, et on va passer au vote. Alors, écoutez, madame, on ne va pas épiloguer, vous allez... Merci de m'avoir coupé le micro. Il y a des compétitions qui devaient être organisées sur Maison Lafitte, qui sont parties ailleurs... Non et non. À chaque fois, nous ouvrons, lorsque ce sont des gens qui viennent d'extérieur et qui veulent, effectivement, on n'est pas d'accord. Parce qu'on n'est pas là aussi pour accueillir des gens qui disent « Ah, ben, ce serait bien si on venait concourir à Maison Lafitte ». Donc, en tout état de cause, je vous rappelle que nous appliquons, lorsqu'il s'agit des fêtes, des associations, des clubs, c'est gratos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, alors maintenant, présentez votre amendement, allez-y. Donc, mon amendement a pour objet d'ajouter une phrase dans la délibération. La phrase est la suivante. Ces tarifs
s'applique hors des créneaux habituels hebdomadaires et hors compétitions organisées dans ces salles. Alors, pour vous faire plaisir, on va passer au vote. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Vous levez la main. C'est terminé. Et je vous rappelle, lisez. Vous votez bien. Contre ce qui a été dit. Je suis désolé, madame. Gardez votre calme. Je vous rappelle que vous, normalement, la loi vous dit que vous n'avez pas le droit d'amendement. C'est aussi simple que ça. Mais dans ma bonté, parce que je suis bon prince, alors que vous, vous êtes une mauvaise sujette, eh bien, je vous laisse sauter. Voilà. C'est plus. Alors maintenant, on continue. Mais rappelez-vous ça, parce qu'à la limite, on devrait justement modifier notre règlement intérieur. Alors, ne vous référez plus jamais. Calmez-vous, madame Lavagne. Vous savez, avec moi, ça dure longtemps. Et ça peut encore durer encore davantage. Alors, maintenant, on va passer effectivement au point suivant. Donc, on adopte ça, qui est pour. On peut voter. Ah oui, voilà, on passe voilà, au vote de la délibération. Il faut voter, oui, je suis bien d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier de voter l'essentiel. Donc, le point 24. Non, c'est pas le point 23. Le point 23. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. À l'unanimité, c'est parfait. Alors, maintenant, j'en viens au point 24 sur le centre aquatique. Alors, ça, c'est toi. Vas-y, ouais. Yann. Alors, donc l'objet de cette délibération, c'est de déterminer les conditions de réouverture de l'éveil aquatique et l'espace bien-être du centre aquatique. Alors, sur la partie, tout d'abord, éveil aquatique, ce qu'on appelle plus communément bébé nageur. Hein. Donc, il est proposé de rouvrir dès la rentrée scolaire prochaine, avec tout de même quelques petites adaptations par rapport à ce que nous connaissions auparavant. Donc, des adaptations qui sont nécessaires au vu de l'envolée des coûts énergétiques. Donc, alors, autrefois, deux parents étaient autorisés à accompagner gratuitement l'enfant payant. Et aujourd'hui, on propose qu'il n'y ait plus qu'un seul parent qui soit inclus dans le tarif de cette prestation. D'autre part, c'est une activité qui demande à ce que la température de l'eau soit significativement augmentée. Donc, c'est pourquoi nous proposons de suspendre l'activité pendant les mois les plus froids de l'année, c'est-à-dire des vacances de Noël jusqu'à la fin des vacances de février. Donc, ça, c'est pour la partie bébé nageur. Ensuite, sur la partie espace bien-être, donc là, communément appelé sauna hammam. Donc, on propose d'une part de réduire un petit peu les horaires sur la saison, donc pour passer à 38 heures par semaine, et de les réduire beaucoup plus significativement pendant la période estivale et plus particulièrement pendant que le bassin extérieur est ouvert. Donc, ça, ce sont sur les conditions d'ouverture. Et donc, ces conditions d'ouverture du hammam et du sauna nous amènent à créer un nouveau tarif pour que les. Pour ceux qui ont des abonnements en cours puissent profiter de ces prestations. Donc en fonction des abonnements qui sont déjà en cours, par exemple si on a un abonnement de 3 mois et si on veut profiter des prestations sauna hammam, il faudra rajouter 35 euros, 45 euros 6 mois, etc. jusqu'à 65 euros si on a un abonnement qui est valable pendant un an. Voilà. Et après ça c'est les abonnements qui disparaîtront. Puisqu'après, on repartira sur un amendement classique, centre aquatique, plus espace bien-être. Donc, on vous demande d'approuver ce nouveau fonctionnement et la création de ces petits tarifs, on va dire, qui seront appliqués uniquement au moment de la rentrée. Alors, comme vous l'avez compris, c'est une reprise. Et on l'a fait étape par étape pour éviter les surprises. Et j'espère qu'à la rentrée 24, ces services seront donc permanents. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Qui vote contre ? Abstention à l'unanimité. Merci. Alors, Madame Boiron, vous allez nous parler des tarifs activités péri- et extrascolaires, révision du nouveau mode de calcul. Oui, vous êtes maintenant habitués puisque nous avons fait ça pour la restauration scolaire pour le 1er janvier 2023. Ce sont des tarifs qui avaient déjà un tarif progressif puisqu'il y avait des quotients mais qui n'étaient pas toujours très justes. Donc nous avons employé le même système que pour la restauration scolaire, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur le prix de revient pour chaque activité sur l'année 2022. Vous voyez que les activités sont nombreuses,
Et nous en avons rajouté une, c'est l'accueil du mercredi en maternelle après-midi sans le repas, parce que c'était une prestation qui n'existait pas, mais qui nous était demandée. Donc les services avec le cabinet Calia ont calculé le coût de revient de chaque service et nous avons appliqué un taux d'effort proportionnel aux revenus de chaque famille. Comme pour la restauration scolaire, les familles auront un simulateur mis en place sur le kiosque famille pour pouvoir calculer leur tarif pour chaque prestation. Vous avez un tarif mini et un tarif maxi. Vous avez les listes, là, dont je ne vais pas y revenir. Le tarif non mansonien, c'est un tarif pour les hors communes. Il sera appliqué pour chaque activité. C'est le coût de revient, sauf pour l'accueil du matin en maternelle et en élémentaire, parce que le coût était énorme. Il est de 7 euros et quelques, je crois, le coût réel. Donc, on ne peut pas demander même aux extérieurs de payer 7 euros une demi-heure de garde. On a rencontré quelques difficultés puisque les prestations sont très différentes et avec des coûts de revient très variables. Et puis, bon, on avait des tarifs qui existaient avant, puisqu'on fonctionnait déjà, et on a été obligé de tenir compte aussi de ces tarifs existants. Voilà. Oui. Bien. Alors, y a-t-il des questions? Oui, monsieur Lebevitch. Coupe ton micro. Merci, monsieur le maire. Déjà, je tiens à, encore une fois, la même manière que la dernière fois, c'est un bon boulot. Donc, on ne l'entendra pas dire souvent. Donc, c'est un bon boulot. C'est pour ça, on ne l'entendra pas forcément dire souvent. Donc profitez-en. Justement, la même chose lors de la question de la restauration la dernière fois. Donc, et évidemment, je remercie Madame Boiron de m'avoir fait fournir les divers éléments de calcul qui m'ont permis de voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que je me base toujours sur des cas très très concrets, mais un couple au SMIC avec un enfant qui en effet bénéficiera toujours du tarif minimum. Voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Ensuite, je pense que, et c'est peut-être une piste derrière, c'est le fait d'avoir regardé les activités finalement une par une avec leur coût de revient fait que parfois on a des situations qui peuvent être assez drôles entre guillemets. Le même couple dont les deux gagneraient autour de 2100 euros net se retrouverait à avoir sur 4 ou 5 prestations le prix minimal. Et par exemple, sur la prestation du loisir élémentaire sur l'après-midi, le coût maximal qui lui serait imposé. Donc il y a peut-être aussi encore des légères adaptations à faire dans le futur, mais je ne doute pas que c'est une histoire de rodage. Monsieur ? Oui, en fait, on s'est aperçu que le problème, c'est le coût de revient. Parce qu'on n'a pas la même chose. Il y a des animateurs, en fonction du nombre d'animateurs que l'on a, en fonction du nombre du repas que l'on sert, du goûter, tout ça, les coûts de revient ne sont jamais les mêmes. Et en plus, se greffe quelque chose en plus, c'est par la participation de la CAF qui est comme ça, à géométrie un peu variable sur les prestations. La CAF ne nous donne pas dans notre contrat jeunesse la même chose pour toutes les prestations. Non, mais je comprends totalement, et c'est pour ça que je dis, il y a peut-être dans le sens un équilibrage qui peut être fait entre guillemets entre les diverses prestations potentiellement dans le futur, justement en connaissant les coûts de revient individuels et en voyant dans le futur avec rodage potentiellement aussi pour permettre d'éviter que certaines personnes se retrouvent justement avec le prix plafond immédiatement sur certaines prestations. Mais c'est pour ça que je dis, ça reste du bon travail. C'est pas une critique sur le reste. Mais voilà, c'est ce que je dis, du rodage dans le futur potentiellement pour encore une fois adapter au fur et à mesure. Mais j'attends de voir la suite. Merci pour le service scolaire et pour le service financier qui ont travaillé main dans la main et qui ont fourni un gros travail.
Et alors, comme ça s'est terminé dans mon bureau pour donner la bénédiction, je dois dire que j'étais assez stupéfait de la complexité du truc et que j'ai fait confiance à Brigitte Boiron et j'ai compris que ça allait dans le bon sens. Donc, voilà, on passe au vote. Contre, abstention à l'unanimité. Alors, maintenant, on en vient au 36 en chiffre romain, qui est avec des amendements de madame... Non, ça fait 26, oui, autant, oui. Mais ça, c'est parce que j'ai changé de lunettes. Il s'agit, madame Boiron, des activités péri- et extrascolaires, règlement destiné aux familles. Vas-y. Oui, nous avons fait un toilettage de ce règlement qui était là depuis quelque temps déjà. Il n'y a rien de très marquant, si ce n'est le fait que nous n'avions pas intégré dans ce règlement la garderie du matin, puisque c'était à titre expérimental que l'on l'avait mise en place. Elle existait sur les maternelles, on l'avait mise en place pour les élémentaires, on ne savait pas si ça allait durer. Donc nous l'avons intégré au règlement. Je crois que c'est... Et puis bon, il y a le mode de calcul des nouveaux tarifs. Voilà, il n'y a rien de bien nouveau. Alors, je vais passer la parole à madame Lavagne, à laquelle je rappelle que normalement, elle n'a pas le droit d'amendement, mais que comme nous sommes bons princes, nous avons laissé dans le règlement intérieur. Donc, vous allez présenter tous vos amendements et nous voterons. Monsieur le maire, le premier amendement est sur le par rapport donc à l'accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires, par rapport au bus qui est mis en place avec le départ à la gare routière, qui est très apprécié des familles. Et dans le règlement, il est mentionné que le départ est à 8h10. En fait, donc, concrètement, l'accueil est à partir de 8h10 et le départ est à 8h30. Donc, à chaque début d'année, on voit les familles qui se pressent pour être à 8h10, le bus n'est pas là, et en fait, bon, à chaque en fin d'année, tout le monde arrive pour 8h20, sachant que le bus part à 8h30. Donc, ce serait bien d'actualiser le règlement intérieur, c'est une amélioration rédactionnelle, hein, par rapport à la réalité des faits. Simplement, il faut que les gens soient un peu disciplinés et puissent arriver à l'heure. Parce que si on met que le bus part à 8h30, ça veut dire que le bus, il part à 9h moins le quart. Et du coup, ça met en l'air tout le centre de loisirs, puisque nous avons quand même des parents qui accompagnent leurs enfants dans les centres de loisirs divers et variés, Curvelier ou le Prioré ou le Dreux. C'est pour ça que je vous proposais l'amendement, un accueil par le bus à partir de 8h10 pour un départ à 8h30. Madame, si vous mettez départ effectivement à 8h30, il partira à 8h45. Alors, on vote. Qui est pour ? Qui est pour ? On vote, s'il vous plaît. Qui est pour ? Très bien. Qui est contre ? Merci. L'amendement. Alors, continuez avec le numéro 2 d'amendement et le numéro 3. Allez-y. L'amendement numéro 2, là, c'est un sujet de fond. C'est lorsque donc les familles ont choisi de payer par prélèvement, qu'au bout de 3 impossibilités, prélèvements refusés, vous interrompiez ce mode de règlement, je comprends tout à fait. Mais ce qui me gêne, c'est quand vous dites sans en informer les familles. Il faudrait quand même informer les familles qu'elles doivent changer de mode de règlement. Ils sont prévenus. Chaque fois qu'une facture revient impayée, ils sont prévenus et on envoie un mail. C'est écrit en rouge, gros comme ça, sur les factures. S'ils pensent que pendant toute l'année, ça va durer comme ça, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment aussi, il faut que les parents se prennent en charge et qu'ils comprennent que leur mode de fonctionnement, c'est pas le bon. Voilà. Alors, je pense que c'est normal parce qu'il y a eu 3 rappels et il y a un moment, la sanction tombe. Alors, allez, qui est pour cet amendement ? Très bien. Qui est contre ? L'amendement tombe, merci. L'amendement numéro 3, alors les enfants porteurs de handicap. Allez-y, alors, madame. Je sais que, que le centre de loisirs accueille les enfants souffrant d'un handicap. C'est pas le sujet n'est pas le fond. Mais sur la rédaction formelle donne l'impression que l'accueil est conditionné. L'accueil aux activités périscolaires et extrascolaires des enfants en situation de handicap peut être mis en place sous certaines conditions. Donc, ça veut dire que l'accueil n'est pas automatique. Alors, je comprends que des fois, il peut y avoir des besoins d'aménagement et que c'est compliqué pour vous et que, donc, dans ce cas-là, c'est conditionné. Mais
La phrase fait en sorte que pour les handicaps non visibles, les familles ne le déclareraient pas. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Nous avons eu des enfants qui ont été inscrits au centre de loisirs et qui étaient porteurs de handicap et dont on n'était pas au courant. Et donc, les animateurs ont vu débarquer dans leur structure cet enfant, enfin, il y en a même eu deux, sur lequel on ne connaissait aucun, on n'avait aucune information. Donc, on vous dit que c'est sous sujet à caution quand même. Il faudrait quand même que les parents nous le disent et puis surtout qu'on sache comment faire. C'est un sujet assez grave. Madame, dans notre esprit, nous regardons à chaque fois qu'il y a des enfants handicapés et nous décidons, avec les parents, bien évidemment, d'élaborer un certain nombre de mesures. Je vous demande de retirer cet amendement parce que je pense qu'il n'est pas bon. De plus, quand nous avons un enfant handicapé, en général, on a toujours un animateur supplémentaire. Donc, voilà, il faut quand même qu'on soit mis au courant. Tout à fait, c'est pas... Question sur le fond, je sais que les services accueillent bien, c'est pas le sujet. Mais c'est juste que le règlement intérieur, la règle d'action n'est pas en conformité finalement avec vos pratiques qui sont bienveillantes. La rédaction est parfaite, je vais la relire pour que chacun le dise. L'accès aux activités péri- et extrascolaires des enfants en situation de handicap peut être mis en place sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue avec la famille. Et donc je pense que ça correspond exactement à ce que nous besoin. Donc vous le retirez, votre amendement, ou pas ? Non, je ne le retire pas. Bien, alors on vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Merci. Alors maintenant, j'en viens à l'ensemble de la délibération sur le point donc 26. Qui est pour ? Olivier ? J'ai pas compris. Nicolas. Oui, Nicolas. J'avais juste une intervention, si je peux me permettre, avant qu'on passe au vote. C'est sur cette histoire du droit d'amendement que je trouve quand même... Du droit d'amendement. Enfin, ce que je trouve Écoutez, quand même... C'est pas en débat maintenant. Moi, je n'ai fait que lire ce qu'a dit le tribunal administratif, point barre. Et j'allais vous lire la cour administrative d'appel, monsieur Millard. Monsieur Nilubovitch, on l'a laissé, parce que, comme je vous dis, je suis bon prince, mais vous n'êtes pas toujours des bons sujets, et on l'a laissé. Donc, madame Lavagne, on a voté, point barre. Il n'y a aucun débat. Monsieur Millard, s'il vous plaît, c'est juste une sorte de point de, on va dire, de jurisprudence aussi qui est présente. Là-dessus, la Cour administrative d'appel a constamment répété, à travers de très très nombreux jugements, que le droit d'amendement, y compris dans les conseils municipaux, même s'il n'est pas marqué au sein du CGCT, est inhérent. D'accord. Je vous passerai les jugements si vous voulez, mais c'est la Cour administrative d'appel. Les arrêts pour les cours d'appel. Oui. Alors, écoutez, le donc débat. Trois fois, la Cour administrative d'appel. Le droit d'amendement est resté dans notre règlement intérieur. Simplement, avec malice, j'ai rappelé ce qu'a dit le tribunal administratif. Voilà. Vous avez compris ? Il faut bien, de temps en temps, je dirais, prendre les gens à leur propre jeu. Et madame Lavagne. Tribunal administratif qui vous a obligé. Je vous en prie, madame. C'est pas la peine d'intervenir. Votre cause est indéfendable. Merci. Alors maintenant, j'en viens au bilan des acquisitions et cessions immobilières. Attendez, parce que comme Lilovitch m'a coupé, donc qui est pour le point 26 ? Pour ? Qui est pour ? Allez, on y va. Parfait. Très bien. Qui s'abstient ? Voilà, parfait. Bon, donc c'est acté. Alors, le bilan des achats, monsieur Godert. Avec plaisir. Bon, ça va aller relativement vite, on en a très peu. Premièrement, concernant Citadio, pour l'instant, Citadio, on n'a rien acheté, rien vendu, dans la mesure où on a été amené à le prolonger pour qu'elle puisse se terminer cette ZAC, enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Pour le Rond-Sévigné, nous avons fait la vente l'avant-dernier terrain à M. Jorette et Mme Cardo. Vous avez les prix, toutes les conditions et toutes les choses dans votre document. Et enfin, les FIF, nous avons fait l'acquisition d'un bien aux deux rues de la Passerelle, aux époux Héraudet. Voilà, ce sont toutes les choses que nous avons faites pour cette année 2022. Alors, il n'y a pas de vote, on en prend acte. Donc, il est acté qu'on vous a rendu compte. J'en viens maintenant au point 28, vente de véhicules aux enchères, grâce,
je dirais, au talent commerçant de notre ami Claude Kopelansky. Non, c'est surtout les talents de la société qui s'occupe de la vente aux enchères. Donc, nous avons vendu 2 Renault Trafic et 1 Renault Kangoo pour des sommes non négligeables de 14 009 euros, 9 466 euros et 7 907 euros. Donc, je vous demande d'approuver ces ventes. Alors, on poursuit avec la construction d'un espace culturel, réhabilitation et extension de la salle existante Malzerbe, qui respecte le développement durable. À toi, Claude. Donc, nous avons étudié ces 2 cas en commission d'appel d'offres. D'une part, pour le lot numéro 1, le montant est donc remonté à 6 647 600 86 euros. Il s'agit essentiellement de travaux inhérents à des aléas de chantier, découverte de dalles béton, problèmes de fondation ou analyse des sols. Et pour le deuxième lot, qui est le lot chauffage-climatisation, on est, nous, ville, essentiellement à l'origine de ce dépassement, puisqu'on a demandé à l'entreprise de réaliser une GTC qui n'était pas prévue au marché, ce qui nous permet ensuite, à nous, pour l'exploitation de la salle, de chauffer uniquement les salles qu'il ne nécessite et de ne pas chauffer tout l'établissement. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition, adoptée. Merci. Ensuite... nous passons donc au marché. Non, pas tant, il faut que j'y arrive. C'est le point 31, c'est ça ? 30 tout court. Marché de travaux neufs et d'entretien pour l'éclairage public et l'illumination. C'est les feux tricolores. À toi. Oui, donc après analyse des offres, je dois dire qu'on a eu beaucoup de candidats, 6 candidats pour les 2 lots. Donc le marché d'éclairage public a été proposé pour de retenir l'entreprise Terre Idéale, et pour le lot de travaux neufs SLT, travaux d'entretien des feux tricolores, la société Satellec. Donc je vous demande d'approuver ces choix. Merci. Y a-t-il des comptes ? Y a-t-il... Oui, pardon, monsieur. Vas-y. C'est juste une question. Est-ce que c'est dans le cadre de ce marché, justement, qu'on parle du renouvellement des LED ou pas ? Oui. D'accord. Vas-y, mets ton micro. Uniquement de l'entretien de l'éclairage existant, avec le nombre de passages tous les 15 jours et d'interventions suivant nos appels quand on nous signale qu'il y a un éclairage qui est défaillant ou lorsque les CLT fonctionnent mal. Alors, contre, abstention, qu'est-ce que tu fais, Philippe ? Non, je disais, il y avait juste marqué travaux neufs et d'entretien, donc c'est quoi les travaux neufs ? On peut également confier à l'entreprise, comme on l'a fait quand on fait des rues nouvelles, au lieu de, si ça passe dans leur contrat annuel, on change les ampoules et on les passe en LED directement via ce marché, sans faire un nouveau marché, un appel d'offres. Donc c'est pas que de l'entretien. Au 9, c'est une toute petite partie. D'accord. Adopté. Alors, maintenant, Madame Boiron, marché de fourniture et livraison des repas en goûter à liaison froide à destination des écoles et des centres de loisirs. Oui, nous avons un marché avec le groupe Compass. Nous avons déjà modifié le marché sur le lot 1, qui portait sur une augmentation temporaire des repas en août 2022. Là, en concertation avec les parents d'élèves et notre prestataire, pour limiter les impacts liés au gaspillage alimentaire, nous avions cinq composantes dans les repas de nos enfants et nous les passons à 4. Parce que nous nous sommes aperçus que simplement en hiver, par exemple, les entrées carottes râpées, choux, et tomates insipides, ça partait systématiquement à la poubelle. Il y a eu
Il y a eu des pesées de fait, là, ces temps-ci, depuis ça fait maintenant 4 mois que c'est pesé très régulièrement. Dans cette même démarche, nous avions, lors de notre rédaction de notre cahier des charges depuis la nuit des temps, on avait des grammages qui sont toujours imposés par des règles très strictes, mais nous avions toujours majoré à Maison Lafitte de 10% en supplément, 10% de grammage supplémentaire. Et là aussi, on a supprimé ces 10%. Donc, du coup, nous avons quand même enregistré une petite hausse du prix du repas qui passe de 2,67 € à 2,98 €. Et donc, le montant supplémentaire pour ce marché est de 65 000 €. Et le marché s'élève désormais à 712 000 euros. Pas une remarque, une question. Si je comprends bien, finalement, il y a moins de choses sur le plateau des enfants. C'est ce que vous allez me dire ensuite. Et en termes de poids, donc si je comprends bien, les assiettes aussi, il y a moins dans l'assiette ou pas? Dites-moi. En fait, quand on a des repas à 4 composantes, c'est pas la quantité qui est en moins, c'est il y a souvent un élément en moins. Mais par exemple, quand on ne met pas de fromage sur une vache qui rit ou un qui rit ou ce que vous voulez ou un morceau de camembert, on le met sur le gratin. Voilà, c'est des choses comme ça. Et on s'est aperçu vraiment que c'est surtout sur les entrées que c'était qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Par contre, on va plus augmenter, je pense, le nombre de potages, parce que les potages, comme ils sont faits maison, les enfants apprécient beaucoup, surtout en hiver, c'est très appréciable, et puis ils mangent plein de légumes d'un seul coup, et ça nous permet, nous, de limiter le gaspillage, puisqu'il s'est mangé. Bien. Donc, juste pour comprendre, ça n'a pas d'impact sur l'équilibre alimentaire, finalement, repas. L'équilibre alimentaire, bien évidemment, est respecté puisque nos repas sont élaborés par une diététicienne et tous les repas sont vraiment nickel. Il n'y a pas de souci. Les parents, on en a longuement parlé puisque quand on a fait cette concertation avec les parents d'élèves, il y avait compas avec la diététicienne. Contre, abstention à l'unanimité. Merci. Alors, marché de réalisation du tennis couvert, Claude. Absence de pénalité. Oui. J'avais déjà parlé de ce chantier, des difficultés qu'on avait eues pour notamment la réalisation des fondations spéciales, où il a fallu arrêter le chantier, reprendre les notes de calcul, etc. Pour le lot VRD Gros œufs Fondation spéciale, les délais impartis étaient le 31 mars, et pour lever toutes les réserves, l'entreprise n'a pu lever toutes ses réserves que le 5 mai. Donc, si on fait le calcul strict des pénalités, il serait redevable d'une pénalité de 43 608 euros. Pour le lot électricité, pareil, les délais n'ont pas été tenus pour la levée des réserves, mais là, je dois dire en plus que l'entreprise a mis en œuvre des éléments. Pourquoi ça a pris plus de temps ? Parce que le bureau de contrôle a vérifié toutes les installations et s'est rendu compte, tout à fait en fin de chantier, qu'il fallait changer les câbles. Donc l'entreprise a fait ce qu'il fallait. Ils ont mis 5 personnes sur place pendant 8 jours et ils ont dépassé le délai, mais vraiment, tout a été remis en état et les réserves ont été levées. Comme ni le club ni la ville n'ont été pénalisés par la livraison de l'établissement, je considère qu'il n'est pas normal d'appliquer ces pénalités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces terrains ont servi pour les compétitions, pour l'école de sport. Donc, on n'a pas subi de préjudice. Merci, Claude. Alors, qui est contre? Madame Théron, vous voulez des pénalités? Non, mais j'espère que ces entreprises-là ne nous demanderont pas de payer des indemnités aussi, puisqu'on sait que la ville a dû en payer, vous savez, quand il y a une hausse des coûts des matériaux. Mais peu importe. La question ne portait pas sur ces pénalités. La question était plutôt une demande d'éclaircissement par rapport aux utilisateurs des tennis couverts, puisque les ça serait intéressant que tout le monde le sache. Ce sont les sportifs, madame. Oui, mais ce n'est pas réservé uniquement aux TSML. Il y a l'école des sports et le TSME, effectivement, oui.
Claude d'avoir suivi ce chantier. Pas d'objection ? Adopté. Alors maintenant, Monsieur Gollert, vous allez nous présenter un contrat de gérance, une convention de gérance avec la SEM, et toutes les personnes qui ont des liens avec la SEM sortiront et Madame Boiron fera voter le point 33. Alors vas-y. Oui, alors c'est une résidence qu'on souhaite séparer, vendre, mais en attendant, on souhaite prolonger et reconduire la gérance par la SAEM comme les années précédentes. Et je vous en remercie par avance. Voilà, alors on va sortir, parce que voilà, merci Madame Lavagne, etc. Nous sortons. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît ? Oui, la question, c'est laquelle ? En fait, ma question, c'est, vous avez cherché un repreneur et vous n'en avez pas trouvé. Et est-ce qu'il se passe qu'il y a un problème de travaux ou quelque chose à faire ou, comment vous expliquez ça ? Effectivement, on a reçu, pour rien vous cacher, il y avait même des Chinois qui voulaient acheter ça et le découper en appartement. J'ai dit non, c'est aussi simple que ça. Et effectivement, il y a un certain nombre de travaux à faire, c'est ce que nous allons faire. Et nous envisageons, pour rien vous cacher, que la SEM rachète cet immeuble. Merci. Il vous est demandé d'approuver la reconduction de la convention de gérance avec la SAEM concernant la résidence du 2630 rue du Ménil et 4 impasses de la Huchette à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de 1 an jusqu'au 30/06/2024. On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Vous pouvez rentrer. Pardon, 34 en chiffre romain sur l'hippodrome, et Philippe Bouvier va nous présenter ça. Et moi, je sortirai au moment du vote en étant membre du conseil d'administration de l'EPFIF. Merci. Bien, juste en préambule, insister dans cette opération sur le rôle important auprès du maire de Véronique Bertrand de Balanda, qui n'a pas pu être là ce soir. Et également au niveau de notre directeur général des services, Bruno Bibet, qui a pris une implication très forte dans ce dossier. Donc, le 19 janvier 2021, la ville et France Gallo ont décidé d'un appel à manifestation d'intérêt, comme vous le savez, à destination des opérateurs économiques. À l'époque, aucun projet n'avait pu nous satisfaire, notamment avec le coût important de remise en état des travaux et du manque de crédibilité de leur modèle économique. Toutefois, de nombreux opérateurs ont continué a marqué un intérêt et France Gallo a exprimé son soutien à la reprise des courses premium. Donc nous avons, par délibération du 6 octobre 2021, décidé premièrement d'adresser à France Gallo une offre d'acquisition de l'hippodrome à 7,5 millions et demander à l'EPFIF de porter cet achat dans le cadre des accords qui nous lient, de solliciter les aides auprès des différents financeurs publics et d'autoriser le maire à relancer des consultations pour identifier des opérateurs afin de créer et exploiter des activités pour le développement du site avec la programmation en parallèle des courses hippiques. Comme le permet la convention d'intervention foncière du 24 octobre 2022 avec l'EPFIF, il a été remis en gestion à la ville l'ensemble immobilier à l'exception du bâtiment dit tribune. Alors pour les espaces extérieurs, on l'appelle souvent verdure par simplification. Donc, selon les termes de l'article 6 de cette convention, donc, les biens seront rachetés par la mairie avant le 31 décembre 2027, mais on se propose de les faire racheter en totalité ou partie par un ou des opérateurs désignés. Dans ce cadre, un accord est en cours de finalisation concernant le bâtiment tribune en vue de sa cession par l'EPFIF à un opérateur substitué à la ville, à charge pour lui de désamianter bien sûr la structure et de commercialiser les espaces en vue de l'implantation d'activités économiques permettant de trouver des investisseurs qui permettent ainsi de pouvoir équilibrer les coûts de travaux importants.
L'EFFIF et la ville ont convenu donc de l'acquisition de cette partie dite verdure par la ville, moyennant un prix de 6 099 102 euros, étant ici précisé que l'intervention avec l'EFFIF est toujours, et comme d'habitude, au coût de revient. Les emprises à céder à la ville font partie du domaine privé de l'EFFIF. Donc la Direction départementale des finances publiques, son pôle d'évaluation domaniale, a été consultée et a remis un avis en date du 26 mai 2023, confirmant le prix de cession du terrain à hauteur de 5 864 000, avec une marge de négociation plus ou moins 10%. Donc nous vous demandons, dans cette délibération, d'approuver l'acquisition à l'amiable moyennant le prix hors taxe de 6 099 102 euros. À ce prix s'ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au taux en vigueur fourni par le vendeur, soit 20%, soit un prix toute taxe comprise de 6 146 071 euros. Le montant de la TVA sur marge, c'est l'élément qui vous a été remis ensuite donc comme modification au document initial, s'élevant à 46 969,40 euros, lequel prix sera payable comptant le jour de l'acquisition de l'immeuble ci-après désigné. Donc avec bien sûr une condition résolutoire, qui est l'annulation au terme d'une décision de juridiction administrative statuant en dernier ressort ou d'un retrait. Alors, un petit point important, c'est évidemment de préciser le domaine dont il est question, donc les espaces extérieurs, qui comprennent donc le bâtiment administratif, parce qu'il n'y a pas que de la verdure, le bâtiment administratif ou infirmerie, d'une surface d'environ 300 m², un quartier travail avec des destinations d'entrepôt, salles de repos, vestiaires, douches, locaux de stockage, plusieurs hangars, pour notamment stocker du foin, par exemple, d'autres bâtis à usage d'ateliers, locaux techniques, une serre, une station-service avec deux cuves. C'est-à-dire, vous le voyez, si vous allez par là-bas, vous voyez très bien du rond Sévigné, tous ces éléments. Un quartier des chevaux composé de 114 boxes en dur, d'un bâtiment à usage initial de clinique vétérinaire de 80 m², salle de détente pour les lades et 8 chambres, rond de présentation guichet. Et donc la zone spécifique rond Sévigné avec un hangar et un poste EDF. Et bien sûr, notre fameuse piste de galop qui dispose de cette ligne droite unique en Europe de plus de 2000 mètres. Plusieurs carrières qui s'étendent sur 2,6 hectares entre la ligne droite du champ de course et l'avenue de Molière, avec une carrière de compétition, une de détente, une de dressage, une de travail et un spring garden également. Le parking dit parking des carrières non accessible au public et un parking dit parking du golf, bien sûr accessible pour ceux justement qui sont liés au golf. Et deux zones de parking, dites parking bus, parking van. Et les deux châteaux d'eau que vous voyez tous en bord de Seine, non accessibles au public. Pour donc 72 hectares, 4 arts. Et donc, on vous demande d'autoriser le maire à poursuivre toutes les formalités et à signer tous les documents nécessaires et afférents à la réalisation de cette acquisition, et notamment à signer l'acte d'acquisition sous la condition résolutoire indiquée ci-dessus, et apporter toute modification qui ne remettrait pas en cause l'économie globale de l'opération pour la ville. Et à charger l'office notarial des ventes de l'avenue de Longueuil à l'établissement des différents actes pour le réaliser. Voilà. Bien. Alors, je vous ouvre la discussion. Chacun parla de manière précise. J'ajoute que le prix global est là, avec les 46 000 euros qui, jusqu'à ça, ça a été acté il y a quelques heures. Je peux vous dire que des histoires de TVA, comme dit l'autre, c'est assez complexe. Qui souhaite s'exprimer ? Madame Géin. Merci, monsieur le maire. Alors, qu'il y ait des imprécisions sur de calendrier sur un dossier comme celui-là, ou même des évolutions de projet, tout le monde va le comprendre, hein, c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas le problème. Néanmoins, depuis le début de ce dossier, on fait face à des phrases floues. On fait face à des demandes de blanc-seing, on fait face à des absences de budget prévisionnel, hein, que ce soit en investissement, en fonctionnement, enfin, tout ça c'est très très flou. Et puis il y a des phrases qui sont assez bizarres. Par exemple, je garantis la reprise des courses en 23, bon, en l'occurrence ce ne sera pas le cas. Ou alors, dans cette salle même, il y a quelque temps, ça ne coûtera pas un centime au Mansonien. Alors, sur la route, là, donc, j'ai regardé mon téléphone et j'ai eu quelques informations. Effectivement, dans le robe, y a une phrase très, très floue, mais elle existe, hein, vous avez tout à fait raison. Par contre, dans le budget, budget qu'on a voté il y a 2 mois, ben, y a rien du tout. Il n'y a absolument... Non,
dans l'Europe, mais dans le budget, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus précis, tout aussi sur ce point précis, parce que ça, c'est trop... Sur ce point précis, dans le budget, il y a une phrase qui le dit très clairement. Il y a une phrase qui dit très clairement, ça, c'est votre opinion, moi, je la trouve très floue, votre phrase. Hein. Bon, alors... Bon, donc, visiblement, vous avez changé de ligne. Alors, à la rigueur, on peut le comprendre, mais il va falloir un petit peu quand même l'expliciter, parce qu'en 2 mois de temps, changer de ligne aussi rapidement, vous comprendrez que ça pose question. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter la séparation des deux parties? Parce que ce que vous appelez verdure, en fait, c'est effectivement les espaces verts d'une part, mais aussi tout l'immobilier hors la tribune, enfin le bâtiment appelé tribune, donc première question. Deuxième question... Quel est l'opérateur qui sera assez solide pour acheter un bâtiment, une verrue complètement amiantée, avec un désavantage à hauteur de 8 millions, à supposer que l'EPFIF, qui va déjà toucher 6 millions, donc il va rentrer dans ses frais, il doit encore toucher 1 million, l'opérateur, lui, va devoir en rajouter 8, ça va donc faire 9 millions. Il faut déjà quelqu'un d'assez solide pour aller jusque-là. Donc, est-ce que vous pourriez expliciter ces deux points, s'il vous plaît? C'est très simple. Premièrement, je répète que dans l'Europe et dans le budget, il y avait l'annonce qu'il y aurait quelque chose sur l'hippodrome. C'est indubitable. Je l'ai encore vérifié avec les services. Donc, on ne prend pas les gens à défaut, bien au contraire. Est-ce que vous avez vu, je dirais, ce qui vous est présenté dans cette délibération, ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce stade? Je vous rappelle qu'il a fallu renégocier, c'est l'EPFIF qui l'a fait avec France Gallo, sur le niveau du prix, et que l'EPFIF a demandé à nouveau à la direction centrale des domaines de réexaminer effectivement le coût de l'achat par rapport à ce qui avait été acté ici à 7,5 millions. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Je peux vous dire d'ailleurs que le nombre de coups de téléphone entre le président de France Gallo et votre serviteur, ça n'arrêtait pas tous les jours. Et finalement, le France Gallo a accepté, il y a eu une délibération donc de France Gallo pour vendre au prix que nous proposons. Et ça s'est fait, et la signature s'est faite, comme vous l'avez vu, en mars. Donc, ça ne s'est pas fait simplement. Ça a été un parcours de steeplechase et nous y sommes arrivés. Alors pourquoi avoir scindé la verdure d'une part qui sera certainement amphithéosée à la Société des courses de Maison Lafitte par rapport aux tribunes? Tout simplement parce que par rapport aux tribunes, il y a donc un tour de table qui est constitué et que notamment en fonction des mètres carrés prises dans les tribunes par un certain nombre d'entreprises, ils vont pouvoir commencer, il y a un permis qui est déposé, et ils vont pouvoir commencer, bien évidemment, le désamiantage. Donc on laisse les tribunes de côté, on y reviendra quand on arrivera au bout, mais c'est en bonne voie, et dans cette salle, nous avons eu récemment encore des échanges avec la région, notamment avec Jean-Baptiste Ducoin-Clément, qui est le président de la SEM, qui s'occupe justement des problèmes de développement économique. Et puis avec Alexandra Dublanche également. Donc, pour ce qui est maintenant de la verdure, il faut avancer. L'idée que nous avons, parce qu'on n'est pas arrivé au bout, c'est qu'effectivement la ville l'achète aujourd'hui, et quand la Société des courses sera au point, notamment en ce qui concerne ses recettes, nous céderons par amphithéose, enfin nous donnerons par amphithéose la verdure à cette CHML qui est sur laquelle on est en train de travailler par rapport aux recettes. Et nous sommes en bonne voie. Donc c'est quelque chose d'assez long, d'assez difficile, mais c'est jouable. Et ensuite, bien évidemment, la Société des courses hippiques de Maison Lafitte prend la tâche en parallèle avec France Gallo pour retrouver un programme. Ça devrait venir, mais on n'est pas encore arrivé au poteau. Et donc, il y a encore pas mal à cravacher, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a deux opérations,
celle où il y a un tour de table qui va être constitué pour trouver pour les investisseurs, c'est ça, hein? Oui, après que les experts voilà. Soient trouvés. Et ensuite, pour ce qui est de la verdure, c'est-à-dire des 73 hectares, qui sera confié, bien évidemment, à la société hippique avec un certain nombre de conditions pour le prendre et la gestion de la reprise des courses. Donc, ça ne va pas se faire en 15 jours, mais c'est en bonne voie. Voilà ce que je peux vous dire. Attendez, madame, s'il vous plaît, vous êtes exprimée. Je suis désolé, qui veut s'exprimer? Alors, madame Théron. Oui, alors tout d'abord, juste une remarque sur la TVA sur marge de 46 000 euros. Effectivement, ce qui m'étonne juste un peu, c'est qu'habituellement, la ville, dans ses rapports avec les PIF, fait des opérations au prix de revient. Donc, il n'y a pas de marge. Je me souviens d'une fois où la ville avait vendu, alors je ne sais plus quel rond, c'était à côté du rond Sévigné, pareil, au prix à laquelle, quoi, les PIF, au prix à laquelle la ville l'avait acheté. Donc là, ce que je constate, c'est que ça doit être du fait de l'évaluation des domaines et du marché immobilier qui a dû évoluer pendant un an. Mais en tout cas, sur cette marge, je ne sais pas si c'est dans l'esprit de les PIF de se rémunérer en faisant des marges sur les ventes immobilières. Madame Théron, ça a été quelque chose qui a été acté il y a quelques heures. Ce n'était pas sans problème entre les notaires et ça a été acté il y a quelques heures parce que ce sont de la TVA sur les frais de portage d'un certain nombre d'items de les PIF. Donc ça a été, c'est le notaire de l'EPFIF qui nous l'a demandé, et il y a eu des va-et-vient permanents avec notre notaire. Voilà. Donc, c'est là, je dois dire toute chose. On peut être compétent dans beaucoup de choses, mais là, ça dépasse parfois mon entendement. Mais là, je fais confiance au notaire. Oui, puis on a des bons notaires à Maison Lafitte aussi pour représenter la ville sur ces sujets-là, en contrepartie. Sinon, sur le fond, moi, je trouve que c'est une bonne chose que la ville achète ces espaces-là. Je ne dirais pas juste la verdure, parce qu'effectivement, il y a aussi du patrimoine bâti. Parce qu'encore une fois, ça permet de sacraliser cet espace. Et il est très important pour la ville, puisque c'est une partie de notre histoire. C'est important que l'hippodrome ne soit pas construit, puisque... On se souvient des velléités de certains promoteurs qui étaient intéressés par l'achat de l'hippodrome. Et quand vous regardiez dans le détail le projet, en fait, vous voyez que la zone qui leur plaisait beaucoup n'était pas la zone inondable, bien évidemment, mais celle qui contenait déjà du patrimoine bâti, donc des installations dont vous faisiez état tout à l'heure. Donc, c'est important pour moi que la ville verrouille ça. En revanche, j'ai une seule inquiétude, c'est sur la partie du bâtiment qui soutient les tribunes, puisque là, il y a un opérateur substitut à la ville. Donc, j'imagine bien... que vous ne donnerez pas l'identité de cet opérateur, ce n'est pas ma question. Ma question est de savoir comment la ville peut contraindre cet opérateur à accueillir, à vendre à des entreprises qui gardent un lien avec l'activité, l'identité cheval de la ville, c'est-à-dire soit par un cahier des charges ou des verrous du PLU. Voilà. Absolument, vous venez de prononcer le mot. Nous sommes en train, bien évidemment, de verrouiller ça dans le permis de construire. Voilà. Donc, c'est à travers l'urbanisme que la ville a la barre et que, bien évidemment, elle ne fera pas... Alors, je vais vous raconter pour la petite histoire, un instant, monsieur Liégeois. Bon, pour la petite histoire, récemment, arrive dans mon bureau un de nos concitoyens d'origine chinoise. Et il dit, je viens vous présenter un truc fabuleux. Alors, je l'écoute et il m'a relancé. Chevalia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était un projet... de poser un centre de données, c'est-à-dire quelque chose qui, comme vous le connaissez, consomme de l'eau, de l'électricité, et bien sûr, je lui ai dit, pas question. Mais il est revenu à la charge en disant, mais vous savez, moi je connais beaucoup d'investisseurs chinois qui veulent le faire. J'ai dit, c'est pas la peine d'insister, on a d'autres projets. Mais vous voyez, ça peut intéresser. Et ensuite, sur les problèmes de constructibilité, ça a été là où il y a eu une partie de bras de fer innommable avec le contrôleur d'État de France Gallo qui craignait effectivement que nous fassions une opération immobilière. Et il prenait de ce qui se passe en face. Vous avez la Marina, mais on peut penser aussi à une Médina. La Marina, et puis ensuite, vous avez un programme immobilier. Et ils ne comprenaient pas qu'effectivement,
il y a une opération immobilière et pas possible chez nous. Ben, j'ai dit, c'est très simple. La marina, elle est en plein PPRI et donc elle est, ce sont des bateaux dans l'eau. Quant aux constructions, elles sont hors PPRI. Donc, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour faire comprendre ça, je peux vous dire qu'il a fallu véritablement user un peu de salive et ça s'est fait par une communication téléphonique qui a duré au moins 35 minutes. Voilà. Donc, c'est bien parti pour ça. Mais nous avons les moyens de contrôler et de ne pas admettre un certain nombre d'entreprises dans les tribunes qui ne correspondraient pas à ce que nous souhaitons. Voilà. Alors, autre remarque. Monsieur Liégeois. Oui, juste pour rebondir ce que disait Madame Gien, au niveau du ROB ou du budget, est-ce que vous pouvez nous dire dans le budget qui a été voté où c'est indiqué qu'on est susceptible de racheter? Est-ce que vous pouvez nous donner Vous êtes en train de pinailler. Non, on va arrêter cette discussion. Pas du pinaillage, c'est fondamental. Ou Monsieur Bouvier peut peut-être nous dire. Non, mais je suis désolé. Il était dit dans ce qui était notamment tout ce qui était en provision que ça pourrait servir sur un certain nombre de choses, dont également l'hippodrome. C'est aussi simple Monsieur que ça. Monsieur le maire, je vous avais posé la question, vous m'aviez traité de tous les noms, notamment d'incompétents, parce que je vous pouvais... Oui, alors, Madame Lavagne, quand on prend la parole, on la demande et on n'intervient pas de cette manière. Merci. Alors, maintenant, qui souhaite poser une autre question? Qui est là-bas au bout? Monsieur Ljubenović, allez-y. Je n'ai toujours pas bougé de place. C'est, en fait, ma question porte sur plutôt le bâtiment des tribunes, en effet. Est-ce qu'il est prévu que la ville, de la même manière, se porte peut-être acquéreuse d'une partie de ce bâtiment? Enfin, je pense surtout au siège, en fait, à tout ce qui est, parce que, enfin, tout ce qui est quand même utilisé pour l'activité hippique, parce qu'on parle beaucoup de l'intérieur des bâtiments, notamment avec des opérateurs économiques, mais il y a la question des sièges. Et en fait, qu'est-ce qui est prévu sur cette partie-là, du coup? Est-ce que c'est un achat par la ville aussi, avec une amphithéose, des choses comme ça, ou pas? Il n'y a pas d'achat par la ville dans les tribunes. Okay. Ce sont les gens qui prennent le tour de table investisseurs qui se constituent pour porter le projet. Ensuite, les sociétés qui ont déclaré qu'elles veulent être dans les tribunes vont bien évidemment soit louer, soit acheter. Voilà. Est-ce qu'il y a la partie siège, du coup, enfin, ce qu'on... Alors, il peut y avoir des sièges de sociétés. Puisqu'il y en a une qui sait... Non, les sièges pour les spectateurs, en fait, c'est... Cher ami, lorsqu'on en sera là, je vais te dire, effectivement, la tribune est restructurée, c'est un projet d'ailleurs assez sympathique, et il y aura suffisamment de place pour applaudir la reprise des courses. Oui, est-ce que vous avez une idée du coût d'entretien annuel de ces 72 hectares pour la ville? Pour la ville, l'entretien. Pour la ville, il va bien falloir entretenir les 72 hectares que vous achetez. Mais c'est terrible. Hein. C'est pas entretenu. D'accord. Écoutez un instant. Il est prévu que ce soit la société des courses qui entretienne effectivement la verdure, puisque c'est elle qui sera titulaire de l'amphithéose. Voilà. Donc, ce n'est pas la ville qui est chargée d'entretenir ça. Maintenant, il faut qu'on trouve des recettes pour la société hippique des courses pour qu'elle équilibre ses comptes. On est d'accord. Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à ce que la ville ne dépense pas un centime? Je m'engage à faire la reprise des courses et je ne vais pas m'engager sur des propositions de M. Gilles. Non, oui, d'accord. Donc ça veut dire que ça coûtera plus cher. Merci. Mais parce que la dernière fois, c'était grave. Non, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez votre polémique de bas étape de bistrot. Merci. Madame Géin. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, c'est un tout petit peu curieux que la ville achète et puis que ce soit la société des courses qui, pour l'instant, existe, mais n'a absolument aucun projet, n'a pas ses recettes, n'a pas son budget. Et donc, comme le dit mon collègue, effectivement, ça risque bien de nous tomber sur le dos. À ce sujet, je voudrais quand même faire remarquer que... Vous nous avez traité d'incompétents quand on vous a dit que c'était la ville qui allait payer au bout du compte. Après, le portage qui est fait par l'EPFIF, c'est la ville qui paye. Et vous nous avez répondu non, pas un centime pour les Mansoniens. Donc, c'est quand même un petit peu curieux. Je trouve que ça mérite, il faut au moins le faire remarquer quand même.
Je voudrais dire que nous ne sommes pas opposés au rachat. Que la ville récupère effectivement la maîtrise de cette partie de son territoire, on est plutôt pour. Ce qui nous inquiète, c'est ce que vous allez en faire, et surtout ce que cette société de course, bon, j'ai bien compris hein, qu'elle va avoir beaucoup de recettes, ça, j'ai compris, mais ça nous inquiète un petit peu d'avoir non seulement l'entretien des espaces, mais après ben, tout ce qui va avec les courses. Comment pouvez-vous nous garantir que sur cet espace que la ville rachète, il n'y a pas à y avoir effectivement un budget fonctionnement à la charge du Mansonien? Alors, depuis le début sur cette affaire, vous nous avez critiqué en ironisant. À chaque fois, vous avez voté contre. Et puis maintenant, on y arrive. Alors là, c'est, je dirais, du trapèze en disant, mais gardez-vous que je rappelle que sur les 100 000 euros que nous avons votés pour la société des courses, c'était effectivement une subvention de fonctionnement. Et que là, nous sommes sur un achat, je dirais, de foncier. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, de ce côté-là, je maintiens ce que nous devons faire maintenant, sur lequel nous travaillons, c'est qu'effectivement, il y a déjà dans la trame de ce que va pouvoir gérer la société des courses, il y a tout un tas d'items sur lesquels elle va avoir des recettes. Que ce soit le golf, que ce soit le quartier des chevaux, que ce soit le quartier de travail, que ce soit notamment les parkings sur lesquels nous avançons. Donc, tout cela va aller abonder le budget de la société des courses, plus, bien évidemment, ce qui va venir de part de France Gallo, puisque France Gallo octroie aux sociétés dites de province un certain nombre de budgets par course. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Voilà pourquoi ce soir, c'est une étape importante et que j'entends dire d'ailleurs que vous n'êtes pas contre l'achat par, je remercie Madame Kérodrin de l'avoir dit très explicitement. Donc, nous sommes sur un achat et maintenant, nous devons encore travailler pour aller jusqu'au bout pour permettre à la société hippique d'équilibrer ses comptes. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, Monsieur Givonovic, vous êtes déjà parlé. C'est pas la peine de revenir. Ça, voilà. Merci. Non, alors, ça coûte quand même. Non, mais attendez. Mais je suis désolé. Il y a certainement d'autres personnes qui veulent parler et qui parleront avant vous. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Alors, allez-y. Voilà. C'est parce que je l'avais vu. C'est pour ça peur, que je. C'est pour ça. C'est ça. Non, j'ai une question assez précise sur les désamiantages. Parce que finalement, ça fait maintenant plus de 8 ans que vous savez qu'il y a de l'amiante dans ces bâtiments, et on a plusieurs versions. La première version, c'était de nous dire que la région allait prendre en charge le désamiantage. La seconde version, c'était de nous dire que la Banque des Territoires allait prendre en charge ce désamiantage. La troisième version, c'était de nous dire que les fonds d'investissement qui s'intéressaient et qui, à mon sens, il ne faut surtout pas faire rentrer dans cette histoire, eh bien, vont prendre en charge le désamiantage. La quatrième version, c'était de nous dire que les entreprises locataires des tribunes elles-mêmes amiantées allaient prendre en charge le désamiantage. Et enfin, la cinquième version qu'on a manifestement aujourd'hui, c'est de nous dire que c'est cette société de course qui est au cœur du programme financier et qui, de fait, va prendre en charge ce désamiantage. Et ça, c'est du gynécologue. Oui, oui, attendez. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, parce que, franchement, arrêtez. Monsieur Givaninovic, ce que vous racontez de A à Z est une ineptie et c'est du fantasme. Non et non. Écoutez un instant, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez dit est faux. Tout ce que vous avez dit est faux. Et je suis désolé, jamais il a été dit que c'était la Banque des Territoires. Ce soit quoi, vous permettez? Non, mais arrêtez. Vous êtes, franchement, non, mais écoutez, Monsieur Givaninovic, c'est du n'importe quoi. Vous êtes en train de faire du café du commerce et à mon avis, vous devriez faire attention à tout ce que vous dites. Alors, un instant, s'il vous plaît. Non. Arrêtez. Ça, vous êtes tout simplement à côté de la plaque. Jamais il a été question. En revanche, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est de faire venir dans le tour de table qui vont investir effectivement dans les tribunes, la Banque des Territoires, la région, etc. Donc ça n'a rien à voir. Tout ce que vous avez dit, c'est véritablement du fantasme à la Givaninovic. À toi. Oui, juste. On va demander
demander à la Banque de Territoire de venir dans le tour de table, parce que la Banque des Territoires, elle finance jusqu'à 49%. Oui, juste... Non! Mais non! Mais c'est pas possible. Ben bon, tu... Vas-y. Bon, d'une façon extrêmement simple, qui pratique le désamiantage? Bien évidemment, l'entreprise qui fera les travaux de restructuration, pour la raison très simple que ça permet d'économiser énormément de temps. Donc, les travaux seront réalisés par l'entreprise. Ensuite, qui paye l'entreprise? Ben, c'est le bilan global. C'est le bilan... Je peux parler? C'est le bilan global de l'opération. Donc, bien évidemment, dans ce cas-là, au bout du compte, c'est l'investisseur final dans lequel il y aura donc la Banque des Territoires, effectivement, et pas seulement, puisque la Banque des Territoires n'a pas le droit de dépasser 49% dans un investissement, c'est dans ses statuts. Et donc, dans ces cas-là, bien sûr, indirectement, elle finance, puisqu'elle sera investisseur final. C'est l'investisseur final qui finance une opération globale. C'est tout à fait banal. Et la réalisation des travaux, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, ce sera la même, pour la raison très simple, qu'on gagnera beaucoup de temps et que ce temps est indispensable, notamment pour ceux qui veulent rentrer dans les locaux à une date donnée et sur lesquels il y a actuellement un travail. Alors, je vais vous dire, monsieur, je trouve déplorable... Vous écoutez, s'il vous plaît. Je trouve déplorable la manière... J'ai pas écouté. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes... Non, non, non. Ben, nous non plus, nous n'avons pas à écouter vos fadaises. Tout ce que vous avez dit est faux de A à Z. Je suis désolé, il n'a jamais été dit. Ce que nous demandons, vous permettez, c'est pas la peine de soliloquer, personne ne vous entend. Merci. Je suis désolé, ce que vous dites est faux de A à Z. Et vous avez une manière de, je dirais, de manipuler les dires, et je suis désolé, et je vais vous redire que bien évidemment, tout ce que nous sommes en train de monter, c'est le tour de table dans lequel il y aura certainement la SEM de la région, il y aura certainement la Banque des Territoires pour justement constituer ce tour de table qui vont ensuite permettre de porter, je dirais, l'investissement global. Et ensuite, effectivement, ce sont à partir des prises de mètres carrés que tout va être continué. Donc, quand vous racontez un certain nombre de choses inexactes et que vous le dites avec une polémique et un manque de et une mauvaise foi totale. Non, monsieur, ce que vous dites, mais c'est pas la peine. Écoutez, à force, vous savez ce que vous allez faire, vous allez commencer par prendre un verre d'eau parce que vous allez avoir les cordes vocales qui vont vous poser problème. Voilà. Alors, je rajoute maintenant quelque chose à l'adresse de tout le monde. Parce que voilà. Notamment dans l'Europe. Cette prévision des dépenses d'investissement n'intègre pas à ce stade les négociations concernant l'hippodrome. Toutefois, il est possible qu'elle soit nécessaire de mobiliser des crédits afin de permettre l'aboutissement de la reprise des courses et l'implantation d'activités sur le site. Oh, oh! Vous pouvez vous taire? C'est exactement Merci. Ce que j'ai dit. Hein. Mais attendez, et c'est pas fini. Dans le BP, il a été dit que c'était dans l'Europe page 16, et ensuite dans le BP, on ne parle que de la grande enveloppe. Travaux, oralement, la commission l'a proposé, notamment que ça a été aussi pour l'hippodrome. Voilà. Et ça, c'était dans le budget. C'est très flou, quoi. Non, moi, attendez, on ne va pas rester longtemps là-dessus, on va passer au vote. Alors, Madame Théron, vous voulez parler? Juste une demande que je réitère depuis de nombreux mois. Le rapport de désamiantage de l'hippodrome, vous souhaitiez nous l'envoyer, nous l'adresser, sauf erreur de ma part. J'ai dû l'envoyer. Ben, sauf si les boîtes mails sont saturées. Non, non, attendez, le rapport... Jamais reçu. Attendez, sur ce point précis, parce que je suis étonné, tout à l'heure on m'a dit que Mme Lavagne n'avait pas reçu, je lui renverrai parce que ça a été envoyé. Pour ce qui est du rapport des amiantages, il me semble que je voulais passer. Non? Alors je vais vous dire, c'est imbitable pour le commun des mortels. Hein. Et vous savez que j'aime bien les matières un peu complexes. Bien. Alors maintenant, je vais passer au vote, mais je vais sortir. Donc... Vas-y. Donc on vote sur... Merci. Donc on passe au vote sur cette résolution, cette délibération 34. Donc qui est pour? Contre? Abstention? Voilà, donc c'est adopté à l'unanimité.
pour cet achat qui va nous permettre de continuer. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas encore arrivés au bout parce qu'il y a encore pas mal de travail et je peux vous dire que nous sommes en train de nous y employer. Alors, il y a maintenant un point où on va revenir à Junior Entreprise. Vas-y. Sujet passionnant qui appellera peut-être des débats un tout petit peu moins passionnés. Je rappelle que la Ville avait mené l'année dernière sa seconde édition du concours Junior Entreprise qui visait à récompenser, encourager le développement et la création d'entreprises. Il avait donc été porté au budget une subvention totale d'un montant de 12 833 euros, dont 2 833 euros qui avaient été obtenus auprès de 5 entreprises partenaires. Il est donc porté dans la délibération de pouvoir octroyer les subventions auprès des lauréats. Pour mémoire, ces lauréats avaient été décidés au terme de choix portés par le jury après analyse des dossiers qui avaient été déposés fin 2022. Premier prix, une subvention de 8 333 au profit d'ABC Tabara. Deuxième prix, une subvention de 2 500 euros au profit de la société IDG Consulting. Et enfin, une subvention de 1 500 euros pour le troisième prix, MassSecure Trade. Il faut rappeler effectivement que ces subventions ne peuvent être versées qu'au profit de dépenses d'ordre foncière ou immobilière. Précisons ensuite que depuis la réunion du jury et le choix qui a été porté, la dirigeante de la société IDG Consulting a informé la ville qu'elle mettait fin à son activité, son aventure entrepreneuriale pour être tout à fait précis, pour des raisons personnelles. De fait, aucune subvention ne lui sera attribuée. Donc, il est porté la délibération suivante, ce serait d'attribuer au profit de la société Abassé Tabara la subvention de 1 333 euros évoquée et à la société MySecure Trade une subvention de 1 500 euros, étant entendu que ces deux sociétés devront produire tout justificatif utile et qu'un contrôle sera fait par les services pour s'assurer que les activités de ces deux sociétés sont régulières. Alors, l'entreprise Tabara que nous avons sélectionnée, qui a été sélectionnée, je dirais, a eu l'unanimité du jury. Tiens, vous le dire. Pas d'objection, adopté. Alors, on continue maintenant avec le règlement pour les années qui viennent, et notamment, toujours, tu y vas, Charles-Philippe. Oui, donc, fort du succès de la dernière édition, la présente délibération vise à permettre la modification du règlement en vue de rouvrir la troisième édition. Le règlement qui est porté en annexe et qui est détaillé reprend sensiblement le règlement précédent avec deux modifications qui méritent d'être évoquées. La première, c'est que pourront candidater les entreprises qui n'ont pas seulement moins d'un an d'ancienneté, mais qui auront une ancienneté inférieure ou égale à 3 ans. L'objectif étant, là aussi, de promouvoir davantage le concours et de s'assurer que davantage d'entrepreneurs puissent avoir leur chance. Le second élément aussi, bien que l'esprit de ce concours reste également de promouvoir le développement durable et d'élargir également les critères pour permettre de faire en sorte que l'activité soit tournée vers la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, qui est donc plus large que le seul développement durable. Il est donc proposé d'adopter ce règlement. Merci. Pas de questions particulières. Merci. Contre, abstention à l'unanimité. On poursuit. Alors maintenant, Madame Vivien, vous avez présenté nous aussi de manière synthétique le renouvellement de la convention avec le château. Allez. Alors, il vous est proposé, comme chaque année, de renouveler la convention qui lie le Centre des monuments nationaux et la ville, sachant qu'en échange d'espaces gratuits, 8 sur 8 demi-journées ou journées, la ville offre en échange une subvention de 12 000 euros, plus les supports de communication et les moyens techniques à chaque demande du château. Objection adoptée. Alors, le salon culturel renouvellement du partenariat avec plusieurs théâtres voisins. De la même façon, on vous demande de renouveler le partenariat avec 4 théâtres voisins, Le Vésinet, Marly, Le Pecq, Sartrouville,
sachant que l'ensemble des 5 théâtres propose dans sa saison culturelle une prestation dans ces théâtres avoisinants. Donc il s'agit d'échanges, de partenariats, de mise en commun, et la fréquentation des mansoniens sur ces théâtres est assez importante, et l'inverse également. Objection adoptée. Alors le point 39 en chiffres romains pour le prix littéraire, Madame Bélien. Alors il s'agit sur le prix littéraire de modifier très légèrement le règlement du concours, sachant que sur les années d'avant, on avait mis des dates, et 21, 22. Pour la troisième édition, qu'on n'espère pas la dernière, on pense simplement ne pas mettre de date et ne pas dater le règlement, ce qui évitera de le renouveler chaque année. Pas d'objection adoptée. Alors, je vous signale que ce prix a du succès et qu'il y a un certain nombre d'amis journalistes qui sont sur Paris qui m'ont reproché, et ça, j'en ai pris acte, qu'on ne les avait pas invités à la remise parce que je crois qu'il a un succès réel. Très bon livre, oui, je suis d'accord. Pas d'objection adoptée. Alors, M. Ginot-Necky, c'est encore vous qui allez presque couronner la session de ce soir. Allez-y. Alors, point 14, dans un premier temps, je vais vous parler d'extension de la visioprotection. Vous savez que nous avons un plan d'ensemble. Actuellement, nous avons 130 caméras avec des agents publics qui les regardent. Et on me disait encore ce matin, la police me disait ce matin, que 70% des arrestations étaient dues notamment au système de visioconférence. Alors, écoutez, nous n'allons pas faire une politique par excès, mais nous faisons une politique très raisonnée et en concertation avec la police municipale, la police nationale, les services techniques et les services informatiques. Nous avons décidé de demander, c'est le maire qui le fera évidemment, l'engagement d'une procédure pour de nouveaux points. Je ne cite pas ces points, je demande aux élus de ne pas d'ailleurs les citer, mais je crois que cela complétera et peut-être terminera, parce que nous ne voulons pas évidemment tomber, et j'y tiens dans l'excès, mais techniquement, ce sont des points très importants. Donc je vous demande de nous autoriser à engager cette procédure. Oui, madame. Vous voulez une caméra qui surveille chez vous, quoi ? Vous avez déjà fait cette blague et je vous ai déjà répondu que ce n'était pas nécessaire. Bien. Voilà. Non, la question, c'est, je sais que vous n'allez pas donner trop de précisions sur cette thématique parce qu'effectivement, la sécurité prévaut et donc la confidentialité également. Mais la question que je vous poserai quand même, c'est juste en termes de volume. Est-ce qu'on est limité dans le nombre de caméras posées chaque année ou pas, ou dans le montant que ça coûte ? Quelle est la limite qui nous est opposée, nous, villes ? Alors écoutez, nous ne sommes pas limités, mais il y a des procédures qu'il faut respecter. Ce sont des procédures en la forme, c'est-à-dire que le maire va solliciter le préfet. Ensuite, il y aura un avis des services compétents de la sécurité, puis ensuite la garantie des libertés individuelles. La procédure donc est très stricte, à peu près ça met un an et demi pour terminer la mise en place, et voilà. J'ajoute qu'il n'est pas dans nos intentions de mettre, je dirais, un flic ou une caméra derrière chacun de nos concitoyens. Mais c'est nécessaire, et comme l'a rappelé Ginot, beaucoup d'affaires sont faites, y compris parfois préventivement, grâce à la surveillance. Pas d'objection adoptée. Pardon ? Alors, tu t'es converti ? Du tout, c'était justement pour dire que, en cohérence avec aussi mes camarades au niveau régional ou national, je voterai contre cette délibération, et d'autant plus désormais avec la... depuis que l'Assemblée et le Sénat ont passé la loi Jeux Olympiques qui introduit les expérimentations algorithmiques sur la vidéosurveillance. Voilà. J'ai compris le début. Donc vous êtes... Non, je dis juste que je suis cohérent avec aussi les votes des groupes de gauche à la région ou dans les assemblées au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et que je voterai contre cette délibération. D'accord.
Je ne savais pas qu'il y avait la fraternelle des... Camaraderie. Des camarades décadents. Bref, bon, ben, libre à vous, jeune ami. Donc, vous êtes contre ? Bien, ben, comme ça, c'est plus clair. Merci. Et vous, Madame Théron ? Excusez-moi, j'oubliais une question. Alors, c'est en lien avec les caméras, c'est la vidéo-verbalisation qui est actuellement en vigueur dans la commune de Maisons-Laffitte. Donc, à l'aide de la caméra, vous pouvez verbaliser, par exemple, un stationnement qui n'est pas approprié. Et on a constaté... Les stationnements. Ah bah, en tout cas, stationnement sur des places livraison, apparemment, ça tombe, hein, rue de la Muette. Donc, le constat est là. Hein. Mais la seule chose, c'était peut-être, il y aurait peut-être besoin d'informer davantage les mansoniens. Je sais qu'il y a des panneaux, mais sincèrement, les gens sont dans leur quotidien, ne le savent pas forcément. Est-ce que dans des endroits où vous voyez que systématiquement, il y a beaucoup, beaucoup de procès-verbaux qui sont faits, il ne serait pas possible d'ajouter un pictogramme au sol pour Alors, informer la caméra ? Alors, je vais vous rassurer, parce que quand les gens, ils ont vite compris, hein, notamment sur le respect des stops. Et quand ils râlent, ben, j'ai dit ben, respectez le code de la route. C'est aussi simple que ça. Alors, écoutez, je tiens à vous dire que respecter un stop, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur du gendarme. J'ai été effaré quand j'ai vu en février ce que je voyais à l'écran. Des cyclistes qui passaient, les pauvres, des voitures qui respectaient pas le stop, et donc ils étaient obligés de faire des tours, je l'ai vu, mais je dis, tous ces gens-là attendent un mort. J'étais ulcéré. Je peux vous dire qu'avec la multiplication des infractions qui sont sanctionnées immédiatement, il y a une chute des infractions. L'ensemble est d'ailleurs sous l'autorité du procureur de la République de Rennes, puisque le procureur de la République de Rennes, c'est un procureur particulier, il a la haute autorité sur la sécurité routière. Et il y a très, très peu de contestations. Mais pitié, faut-il sans arrêt des sanctions pour, en France, car je viens de Vienne et de Rome, je suis stupéfait de la différence. Et il faut quand même très faire attention. Parce que moi, j'en arrive à en tenir des conclusions, mais les Français font si peu cas de la vie des autres. Alors, qui est contre ? Non, attendez. Non, juste pour vous dire, ce n'était pas les stops, on est bien d'accord, c'était pour le stationnement sur les places livraison. Désolé, j'ai donné l'autorisation en télésurveillance des dépassements et des infractions routières. Et lorsqu'il y a un stationnement qui peut être dangereux, mais le stationnement n'est pas surveillé par des caméras. On s'appelle pas Hidalgo. Bien. Il est verbalisé, hein, mais on en parlera. Voilà, donc, à une autre allez, on passe occasion. Au vote. Qui est contre ? Alors, un contre. Nicolas, il faut suivre. Oui, un contre. Oui, alors, vous avez un certain nombre de. Et vous voyez qu'il y a des modifications, soit ce sont des modifications en la forme, soit ce sont des modifications qui permettent des élargissements de recrutement dans deux catégories de postes. Et puis, il y a aussi des fonctionnaires qui ont réussi les concours. L'ensemble de ces documents vise évidemment à adapter la réalité des postes aux dispositions en vigueur. Pas d'objection, adopté. Allez, on poursuit. Alors, là, je vais vous demander d'adopter une disposition. C'est notre adhésion au centre interdépartemental de gestion. Vous savez que de plus en plus en droit administratif, lorsqu'il y a des contentieux, il faut faire la preuve d'une médiation. On ne peut pas saisir le juge administratif. Dans ce cadre-là, lorsqu'il y a des contentieux, des litiges entre les agents publics et notre mairie, bien sûr, nous entendons respecter la réglementation et donc nous adhérons à ce centre interdépartemental de gestion. S'il faut une médiation, eh bien, nous passerons par ce centre interdépartemental de gestion. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais il faut prévoir ces dispositions, d'ailleurs, qui sont devenues obligatoires. Bien, pas d'objection, adopté.
Alors, le point 33, 43, pardon, oui, personnel communal, la gratification, c'est la gratification des stagiaires. Alors, je vous avais parlé, vous en souvenez, d'un certain nombre de personnes, il y en a 12 actuellement, qui suivent des stages pour obtenir des diplômes. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de stagiaires qui viennent 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il a été voté des dispositions qui prévoient que lorsque les stagiaires travaillent plus de 2 mois, ils sont rémunérés. Et donc, je vous demande l'autorisation de les rémunérer. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 4 € de l'heure. Et puis, au total, sur un mois, 623 €. Madame Singer. Juste une petite... Pardon, excusez-moi, allez-y. C'est une obligation légale, de toute façon. Bon. Juste pour reconnaître la situation initiale, ça signifie que jusqu'à maintenant, ces stagiaires n'étaient pas rémunérés ? Et ils ont toujours été rémunérés. Et donc à quel montant ? Nous avions des gratifications, des rémunérations qui existaient, mais maintenant nous sommes dans le cadre général. J'ai toujours fait, à l'instant, madame, j'ai rémunéré correctement tous les stagiaires qui passaient chez nous et dès le premier mois. Concrètement, suite à l'adoption de cette délibération, ces stagiaires seront mieux payés, c'est ça en fait, leur augmentation, ça va augmenter? Non. Non, pas du tout. Attends, vas-y. Général, de le cadre général, qui est 4 € de l'heure et de façon 623, je crois, euros pour le mois. Voilà. Nous fait un... Non, mais là, c'est très, très simple. C'est nous permettre d'indemniser en cas de transport, dans le cadre des missions, les élus et puis les agents publics qui se déplacent. Donc, aussi, ce sont des tarifs qui nous sont imposés et qui prévoient l'indemnisation en cas de mission. Madame, allez-y, Matt. Merci. Une question que vous allez adorer, monsieur le maire. Il y a un certain nombre d'organisations qui prévoient des dispositifs incitatifs pour des mobilités durables ou des mobilités douces dans ces plans de remboursement des frais de déplacement. Est-ce que vous avez inclus ce genre de dispositif ? Je ne vois pas pourquoi. Vous pensez à qui ? Là, ça concerne les élus et les membres de la collectivité. Mais il y a des mobilités, pourquoi on peut favoriser au travers de plans de remboursement définis de cette manière-là les mobilités durables, c'est-à-dire qu'on peut permettre de meilleurs remboursements. On me sauve, c'est prévu. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà fait. Donc voilà, vous jouez les carabinières. Une question, c'est pas une carabinerie. Mais si. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, monsieur Claude. Ah oui, c'est important. C'est ça. Toi. Oui, si c'est Jeff. Important. La commune de Bure-sur-Yvette voulait rejoindre le CIGIF pour la compétence gaz. Donc, lors de la séance du 6 février, le syndicat CIGIF a approuvé et on demande à chaque commune membre du CIGIF d'approuver cette adhésion. Donc, je vous demande d'approuver l'adhésion de la commune de Bure-sur-Yvette au titre de la compétence gaz. Bien. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas à l'unanimité. J'en viens au point que je calcule ça correctement. Donc, c'est 46. C'est la communication qu'a faite la Cour des comptes pour l'agglo et dont chaque commune doit rendre compte. Alors, vous avez ici, le rapport indique les recommandations suivantes. Il y en a 6, et alors au passage, il ne s'agit pas de les commenter, simplement l'agglo, dans un an, vérifiera avec la Cour ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Alors je peux déjà vous dire qu'il y a un certain nombre de choses dans lesquelles la partie de bras de fer avec, la Cour des comptes
risque d'être assez chaude, mais on est tous d'accord sur ces points. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, Monsieur Levanovitch, vous voulez... Vous savez, ça va être vite fait, hein, parce que ce n'est pas moi qui vais vous répondre. J'ai une question un peu au... Enfin, dans un sens à mon maire, mais aussi qui est vice-président au sein de la CSGBS, notamment sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le renouvellement urbain. Enfin, je crois que c'est votre rôle aussi. C'est notamment sur la recommandation 4, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de PLHI, sachant que le PLHI, il y a toute une question sur la performance énergétique, il y a toute une question sur la mixité sociale, sur l'habitat indigne. Il y a la création d'un observatoire qui permet notamment tout ce qui est la continuité d'observer et de préconiser tout ce qui est sur la continuité écologique, sur l'intercommunalité, sur les espaces éco-aménageables, et en fait, et la notion généralement de programmation des logements sur le territoire. Et en fait, pourquoi finalement, alors que la CSGBS est un peu... Mon cher collègue, parce qu'on n'est pas des soviétiques. C'est aussi simple que ça. Le PLHI, avec tout le, notamment les portées à connaissance, et nous avons reçu récemment en bureau des maires le DTT, et nous lui avons expliqué tout le mal qu'on pensait de ces lois scélérates. Et donc, je peux vous dire qu'il y a unanimité. Et je tiens à vous dire une chose, jusqu'à nouvel ordre, c'est le contraire de la décentralisation, c'est la mainmise de l'État jusque dans le détail de l'attribution des logements, alors que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'à chaque attribution des logements, on pèse le pour et le contre, et je peux vous dire que de temps en temps, et on ne va pas faire ça par un ordinateur de la PLHI. Merci. Madame Géant. Merci, Monsieur le maire. Je ne pense pas que vous ayez vraiment le choix sur le PLHI. Enfin bon, ça c'est à part. Je dirais que c'est une lecture extrêmement intéressante, parce que c'est vraiment passionnant de voir noir sur blanc l'analyse que nous faisons de cet établissement public. Alors, j'avais d'ailleurs voté contre le premier projet de territoire, tant il était creux à l'époque, et pourtant j'étais dans la majorité. Alors, ce que l'on constate dans ce rapport, c'est qu'il n'y a aucune envie de faire intercommunalité. Vous m'entendez? Il n'y a aucune envie de faire intercommunalité en 2016 et il n'y a aucune envie de faire intercommunalité aujourd'hui. D'ailleurs, on se souvient très bien que les communes avaient contesté, avaient trouvé ce moyen un peu ridicule de contester l'arrêté de création. Tout cela dans le but, en fait, de freiner le processus. Il est noté noir sur blanc que le coefficient d'intégration fiscale de notre communauté d'agglo est le plus bas de toutes les communautés d'agglo de France. Alors, triste record. Et en plus, il baisse. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, qu'entre 2011 et 2016, nous faisions partie aussi de la plus petite intercommunalité de France. Alors, coefficient d'intégration fiscale très très bas, ça veut dire une faible intégration. Ça veut dire peu de compétences exercées, et celles qui sont exercées le sont faiblement, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans le rapport, peu d'équipements en commun, petite mention sur notre centre aquatique, on vient de faire deux augmentations de tarifs sur le centre aquatique, qui, comme chacun sait, est surdimensionné pour notre ville. Voilà une occasion loupée. La principale compétence de cette agglo, en fait, c'est les ordures. Et je vous conseille de regarder les tableaux qui sont dans le rapport, c'est frappant. On a également... Non, je n'ai pas fini. C'est pas fini, mais soyez brève, madame. Et vous savez, prenez, comme disait madame de Sevigné, prenez le temps de faire court. C'est très, très intéressant, merci, mais je parlerai jusqu'au bout, s'il vous plaît. Alors, je voulais aussi parler des attributions de compensation très élevées, plus de 75% des ressources. Bravo. C'est énorme. Et enfin, un certain nombre de délégations de compétences à des syndicats ou à des communes, ce qui, en fait, était l'inverse de l'objet du début. Tout cela complété par peu d'investissements. Alors, ça nous entraîne à avoir une DGF qui baisse régulièrement. Et ça pourrait, c'est écrit, et ça pourrait continuer, même si il faut reconnaître que ce n'est pas dû qu'au très bas coefficient d'intégration fiscale.
Donc, à la communauté agglo, on se gargarise, bon ton de se gargariser, que nous sommes une intercommunalité de mission. Autre point, la gouvernance est uniquement le bureau des maires. Mais avec un point curieux, tous les maires n'ont pas accès à l'ensemble des informations. Un rapport d'activité, ah ben c'est pas moi qui le dis, hein, vous lisez le rapport. Hein. Un rapport d'activité en 2017, on en a eu un, et le rapport 2021 est en cours de finalisation. Et tous les maires ne l'ont pas eu. Bon. Enfin, des mutualisations qui concernent peu de communes, surtout Sartrouville. Alors, je reviens sur les recommandations de régularité qui, comme chacun sait, rappellent au respect de la loi. Il y en a donc 5. Je pense qu'elles feront effectivement l'objet d'un suivi, même s'il y a des blocages, comme le disait mon collègue sur le PLHI. Mais je pense quand même que tout ça doit être déjà à l'œuvre. Enfin, je l'espère. Et puis, une recommandation de performance qui concerne une meilleure gestion et qui concerne l'intégration de divers lieux culturels et sportifs. Et là, je voudrais rappeler que l'une des premières actions de notre communauté d'agglo a été de sortir les bibliothèques, qui sont le niveau 1 de l'accès à la culture. Elles ont été sorties de l'intercommunalité. Alors, Maison Lafitte ne bénéficie pas, mais j'ai presque fini, il me reste 3 mots. Maison Lafitte ne bénéficie même pas de la compétence tourisme que la CASGBS exerce, et donc ne profite pas de ce formidable outil qu'est l'Office intercommunal. C'est la seule ville de l'agglo. Alors, je vais citer un point positif quand même, le plan climat, et c'est pas rien, donc ça, il faut quand même le dire, c'est quand même un travail. Alors, donc, pour conclure, peu d'intérêt pour l'intercommunalité, alors on n'est pas hors la loi, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Cet état de fait est largement revendiqué par le président de l'agglo dans sa réponse à la Cour des comptes. Même s'il ne respecte pas l'esprit de l'intercommunalité, il se prive lui-même des bénéfices. Alors, madame, je vais vous dire une chose. Je vous invite à vous présenter aux prochaines élections pour entrer dans l'agglo avec le programme que vous venez d'édicter. Vous êtes à l'opposé de la volonté de toutes les villes de l'intercommunalité. Cette intercommunalité est effectivement une intercommunalité de mission, puisque c'est moi qui ai utilisé la fameuse phrase de Pisani de 1956, et qui permet effectivement d'éviter de créer une machine qui coûterait beaucoup en administration et en employés et qui serait inefficace. Si l'intercommunalité a fait redescendre notamment toutes les bibliothèques, c'est qu'on s'est aperçu, ce qui n'empêche pas qu'elles peuvent également coopérer entre elles sans être reliées au budget communal, parce que c'était plus efficace. Si l'intercommunalité a décidé effectivement de faire retomber au niveau de chacune des communes un certain nombre de routes, c'est que c'était impossible de les gérer au niveau intercommunal. Si l'intercommunalité a effectivement décidé que c'était les maires qui gouvernaient, parce que les maires sont responsables devant leurs conseils municipaux et débattent librement. Donc, ce que vous dites est un non-sens absolu par rapport, et nous l'avons dit à la Cour des comptes. Vous savez, la Cour des comptes, elle peut bien dire un certain nombre de choses. Jusqu'à nouvel ordre, c'est nous qui avons la responsabilité politique. Et s'ils vaticinent sur des lois qui sont inopérantes, c'est leur problème, mais ce n'est pas le mien. Madame Théron, et je trouve lamentable ce que vous venez de dire, ce qui prouve bien que vous n'avez rien compris à ce qu'est l'intercommunalité. Madame Théron, vous avez la parole. C'est inutile, Madame Géin. On connaît vos thèses. Je vous rappelle que vous étiez... Je suis désolé. Cessez de soliloquer et reprenez votre copie. Vous ferez beaucoup de progrès. Merci, Madame. Merci, Madame. Madame Théron. Et très brièvement, justement, ça s'inscrit dans la question de Nicolas juste avant. C'était par rapport à la compétence urbanisme. La Chambre régionale des comptes a pu relever fort utilement qu'il y avait une opposition de toutes les communes membres au transfert de la compétence PLU pour faire ce plan local d'urbanisme intercommunal, qui est pour moi un peu la fin de l'urbanisme local et notamment de tous les verrous qu'on met pour protéger notre patrimoine. Donc je salue ce courage politique de s'opposer au PLUI. La seule question, c'est peut-être une inquiétude, c'est jusqu'à quand va-t-on pouvoir tenir contre ces velléités ? Bonne question. Quand on aura fini la révolution, je peux vous dire qu'on remettra les choses au point. Parce que ce qu'il y a derrière le PLUI,
c'est la mainmise à travers, je dirais, la mainmise sur l'urbanisme dans, partout avec les obligations que l'État s'est lui-même fixées par la technostructure. Donc, quand on ne comprend pas ça, eh bien, on n'a rien compris à ce qu'est aujourd'hui, effectivement, le porté à connaissance de l'État, que j'ai analysé dans le détail, car c'est la mainmise de la sténostructure, il n'y a plus de liberté communale si ça continue. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que je le défendrai jusqu'au bout, parce que la démocratie, c'est d'abord au niveau de la commune et au niveau national. Ce n'est pas au niveau de la technostructure, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit nationale. Regardez bien les choses, Madame Singer, ce n'est pas la peine d'assister. Votre cause est perdue d'avance, parce que je tiens à vous dire... Vous respectez la loi quand ça vous arrange, quand même. Hein. Mais, ben, je vous dis toujours une chose, ce que vient de dire Madame Théron est tout à fait, le PLUI, c'est ça la volonté. Et à travers l'État, et je peux vous dire, c'est ça qu'ils ont en tête, parce que je peux vous dire que le jour où ils viendront nous voir, ce jour-là, il faudra qu'ils fassent très attention. Lorsque nous avons reçu le DTT en bureau des maires, je peux vous dire que je lui ai dit... Monsieur le maire, c'est des menaces. Madame le... Est-ce que vous allez vous taire? Est-ce que vous allez comprendre que pour prendre la parole, on la demande et qu'on n'intervient pas de cette manière? C'est aussi simple que ça. Donc, ce que nous avons dit au directeur de la DDT, en disant que c'était un régime soviétique et rien d'autre. Merci, bonne soirée. Quelle est la date du prochain conseil municipal? En septembre.